Bonsoir et bienvenue dans Quelle Époque, votre talk show du samedi soir sur France 2. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Le public va bien? Ouais. Le meilleur public va bien? Ouais. Regardez-le comme il est. Le meilleur public de Paris? Il est... Le meilleur public de France? Ouais. Ouais. Trop fort. Il est bourré. On accueille tout de suite notre invité. Pas non. Tu dois te voir qui bourrait tout à l'heure. Le merveilleux Christophe de Chavannes. Ouais. Bonsoir, bonjour. C'est l'ingénieur du son. Je refais, regarde, attention. 1, 2, 3. Bonjour. Bonsoir. Oh, mais bonsoir, bonjour. Vous m'avez manqué, vous êtes dans une forme étincelante. Écoutez, je suis allé me reposer, certes, vous m'avez manqué. Mais je suis mais pas allé trop. Un petit peu là-bas. Sous les nuages. Parce qu'on t'annonce du beau temps, et puis non, finalement, parce que c'est le dérèglement Cli-cli-cli. On va en parler du climatique. Cli. Ah, vous êtes sur Tauris. Je suis sur les deux, en fait. Ce soir, je suis sur les deux. Je sens. Je suis sur climatique et cli l'autre. Mais on va en parler. On va en parler de tout ça. On va en Merci, parler. Cli-cli. On va présenter aux invités quand même, parce que les gens regardent. Ils se disent pourquoi elle parle. Il y a des gens qui regardent. Il y a des gens qui regardent. Pop, pop, tu penses qu'on m'a dit. Il y a hein. des gens qui regardent. Comme chaque samedi, on retrouvera Philippe Cavrivière, le sociologue, politologue le plus brillant. Ouais. Et comment il va, mon petit Paul? Ça va, et vous? Salut, Christophe. Ouais. Oui, non, j'ai beaucoup, j'ai voyagé. Bah, hier, j'étais à Lille pour un grand concours d'éloquence pour personnes qui bégayent. C'était passionnant, je les salue. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est pas une vanne du tout. Ouais, mais c'est pas cool de c'est se pas moquer. Une vanne. C'est pas une vanne, je les salue, c'est une expérience que je souhaite à chacun ah, de vivre. Ah, mais c'est génial. Ah non, je vous jure. C'est vrai, je pensais que vous faisiez une vanne. Non, c'est pas une vanne du tout. C'est beau. Époque, saison 2, épisode 9, et voici le sommaire. Deux rois de la comédie, deux styles, deux générations réunis à l'écran pour la première fois dans un film drôle et tendre. Ça s'appelle Comme par magie, signé Christophe Baratier. On est très heureux de recevoir ensemble Gérard Jugnot et Kev Adams dans Quelle Époque ce soir. Elle était l'une des animatrices préférées des Français, mais ça, c'était avant. Il y a 2 ans, elle a décidé de tout plaquer pour devenir comédienne. Aujourd'hui, elle monte sur scène et se raconte sans filtre. Dans un premier spectacle, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est la première fois que je la rencontre et j'en suis hyper contente. La libre, la talentueuse, la sublime Alessandra Sublet est avec nous ce soir. Elle est la femme de la semaine. Elle est la première journaliste occidentale à être entrée dans Gaza depuis le 7 octobre. C'était ce mercredi. Elle en a ramené un document exceptionnel. L'une des plus grandes reporters de notre métier, un visage de France Télévisions qui connaît le Proche-Orient comme personne, Agnès Varamian, est aussi avec nous ce soir. Dans Quelle Époque. Lui est l'un de nos plus grands champions de natation. Il prépare en ce moment même ses derniers JO, son ultime course, avec un seul objectif, remporter la médaille d'or l'été prochain à Paris. Le sculptural et fabuleux Florent Manodou passe la soirée avec nous. Et beau. Comment le dire, hein. Ah, ça c'est sûr. Sculpturale, elle l'est aussi. À 26 ans, elle a révolutionné le sexe chez les jeunes avec son compte Instagram Je m'en bats le clito, c'est pour ça. Suivie par 700 000 personnes, elle nous apprend comment on parle du corps et de la sexualité en 2023
dans un livre les mots du cul. Écoutez bien, Christophe, ça va vous intéresser. Mais je suis au courant. Au Mont Carmel est aussi dans quelle époque ce soir? Et puis je prépare un petit peu, vous voyez. C'est bien, vous le faites bien, le porté de livre. Et puis, événement ce soir, c'est un succès planétaire. Partout où il passe, dans le monde, il soulève les foules. Ils débarquent dans quelques jours à Paris avec leur fabuleux spectacle Curios, le cabinet des curiosités. Ils sont très rares en télé. La troupe du Cirque du Soleil nous proposera tout à l'heure un numéro exceptionnel. Mais on accueille tout de suite trois hommes épatants et deux femmes puissantes. Gérard Jugnot, Kev Adams, Florent Manoudou. Allez, on va se bien gagner. Ils sont pas sympas avec moi, hein. Vous êtes vraiment une bande d'enfoirés. Hein. Parce que me mettre petit, moyen, un peu grassouillet, c'est ça, ouais. À côté du pastel. On s'est dit, à côté de Florent Manoudou, vous serez parfait. Et de Camille. Ben oui, c'est pas pareil. Enfin, ça n'a rien à voir. Vous nagez beaucoup moins bien. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous avoir. Kev, je me souviens l'année dernière, vous étiez venu, c'était une de mes meilleures émissions. Bah, c'est très gentil, merci. C'est pour vous mettre la pression. Hein. Je suis hyper, hyper content d'être là. Gérard, la première fois, vous êtes dans quelle époque? Oui. Kev, je suis très contente de vous avoir. Je suis très heureuse d'être là. Et alors, il y en a une que je suis très heureuse de rencontrer, parce que je ne la connaissais que par écran interposé, c'est cette jeune femme, Alessandra Sublet. Salut Léa. Ça va? Ouais. Ben, je suis très contente parce que j'aime bien votre liberté, j'aime bien votre manière de gérer votre vie, votre parcours. Et on ne se connaît pas, et c'est la première fois qu'on se voit pour c'est de vrai. Et j'ai plein de questions à vous poser. En revanche, je crois que vous vous connaissez tous un les peu. Deux, non? Ouais. Un peu. Oui. Vous dites qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Ah bah, je le dis toujours. Et alors? Et alors? Ah, t'étais jeune. Ah merde, j'avais pas vu. Ah la vache. Ah oui. Oui, bah, toi aussi. Hein? Oui. Mais c'est Christophe qui m'a mis à l'antenne il y a 20 ans. C'est lui le premier c'est lui le premier. Parce qu'il fallait être un peu barjo quand même. Et pourquoi il fallait... Vous avez son titre? Parce qu'elle m'a donné de l'argent. Ah oui. Et puis on a couché ensemble. Voilà. Ah bah oui. Voilà. Bah, toujours, hein. Ouais. Ah, je par contre, ça je pensais qu'on ne le dirait pas. Ça n'a pas duré longtemps. Mais... Donc voilà. Très rapide. Je ne pensais pas qu'elle en parlerait. Tout le monde va se dire, est-ce que c'est vrai ou pas, hein? Non, mais c'est mes premiers pas d'animatrice. Et c'était une grosse émission à l'époque. C'était Combien ça coûte? C'était en direct avec Jean-Pierre Pernaut. Et on a votre casting, ma chère Alexandra. Voilà. On a votre casting. Donc là, elle passe le casting pour être recrutée par Christophe de Chavannes. Non, c'est pas exactement ça. En fait, moi, je l'ai vue d'abord parce qu'elle était proche de Coyote. Elle était là, elle travaillait comme journaliste. Ouais. Et je me suis dit, voilà, cette petite qui irait bien à l'antenne. Et elle a fait un casting pour là. Et mes collaborateurs m'ont dit, j'arrive pas à dire le mot. Les collaborateurs m'ont dit, vous avez raison, elle est très bien. Donc, je n'ai pas vu ce casting dont elle a déjà parlé, dans lequel elle a menti. Voilà. Elle déroule son CV, sauf que... Tout est bidon. Tout est bidon. Mais tout ce qu'elle dit est bidon, vous l'avez bien vu ce soir. Bonjour à tous, je m'appelle Alessandra Sublet, j'ai 26 ans. J'ai passé un bac littéraire et enchaîné avec des études de journalisme, ce qui bien évidemment m'amène ici aujourd'hui. Je pratique depuis 3 ans le métier de journaliste chroniqueuse et ce au travers de différents pays et au travers aussi de différents événements de magazines comme Studio, Téléstar, Télépoche, certains réseaux câblés en France et une chaîne internationale à New York qui était MTV. Donc voilà, j'ai eu l'occasion aussi de travailler en radio un petit peu, toujours à New York, avec un fameux présentateur qui est Howard Stern. Votre dernier tournage, Gérard, avec... Bah moi, j'étais avec Brad Pitt, la semaine dernière. Moi, c'est pas que c'est très mal le français. Il parle MTV. Et j'étais également sur MTV. Et ouais, mais c'est plus c'est gros, plus ça passe, la preuve. Non, mais Howard Stern, comment vous l'avez dit ça? C'est une méga star aux États-Unis, mais... Qui va aller vérifier? C'est ça. C'est lui. Qui va vérifier? Énorme star de radio à New York. Tout était faux. C'est Bob Dylan? Tout était faux parce que, en fait, je sortais du Club Med, j'étais Géo.
Voilà. Allez, bonne soirée. Non, mais c'est ça qui est génial. Et ça, on va en parler dans un instant. Vous avez déjà menti, vous, tous les deux? Jamais. Et Gérard, je vais vous dire. C'est marrant parce que c'est marrant cette tête, on ne vous comprend pas. On ne vous comprend pas. Je mens sur scène, mais je ne mens pas parce que les gens savent que je mens. Dans la vraie vie. L'acteur est un menteur qui dit la vérité. Oui. On va en parler dans un instant du mensonge. Quand vous allez parler de votre spectacle, parce que vous expliquez que pour réussir, oui, il faut mentir aussi. Mais on va en parler dans un instant, parce que d'abord, on va commencer par ce film-là. Deux rois de la comédie, ultra populaire, qui se retrouve pour la première fois dans un film réalisé par Christophe Baratier. C'est simple, à vous deux, on a compté, on a sorti notre calculette. Vous avez 70 ans de carrière à vous deux, 130 films en cumulé et près de 60 millions d'entrées, rien qu'avec vos gros succès. On n'a même pas pris les films qui n'ont pas marché. Le plus grand honneur que vous me faites, c'est de ne serait-ce que comparer ma carrière avec celle de Gérard Jugnot, qui est évidemment, je pense sur les 60 millions, il y en a 6 à moi et 54 bah, allez, à Gérard Jugnot. Il est un poil plus âgé. Il a, oui, mais malgré tout, c'est quand même un bonheur de tourner avec lui, de partager. Mais c'est ça, j'allais vous dire, qu'est-ce que ça fait de tourner avec Gérard Jugnot ? C'est extraordinaire. Déjà, je vous remercie de nous réinviter dans cette émission parce que c'est vraiment une de mes émissions préférées en ce moment. J'adore la suivre. Et mon petit frère m'a fait une vanne exceptionnelle. Je voulais la partager avec vous. On regarde l'émission tous les samedis. Et l'autre jour, il me dit : mais Christophe de Chavannes, il est invité chaque semaine. Quel âge il a ? Il a 34 ans. Et c'est vrai que... Non, il a 17 ans, je l'embrasse. Et c'est vrai que d'être ici pour défendre ce film, c'est vraiment cool, donc merci. Et je suis évidemment, comme un dingue, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai évidemment accepté de faire ce film, c'était de partager l'affiche avec Gérard. J'ai vu nombre de ses films. Il m'a fait mourir de rire dans Les Bronzés, dans Le Père Noël est une ordure, comme tout le monde. Il m'a fait pleurer dans Monsieur Batignolles. C'est aussi un film qui a été éducatif pour moi, puisque j'avais à peu près l'âge des mômes qui sont dans le film à l'époque où je l'ai vu, et c'est peut-être une des premières fois où j'ai pris conscience de ce qu'avait été l'Holocauste et la Seconde Guerre mondiale, et je trouve qu'il l'avait traité avec, enfin voilà, avec ce qu'il sait faire en tant qu'acteur et metteur en scène, c'est-à-dire cette douceur et ce rire qu'on retrouve à chaque fois. Les choristes, évidemment, je fais partie de cette génération qui chantait « Vois sur ton chemin, gamins oubliés » à l'école. Donc vous chantiez la chanson ? Bien sûr. Très mal, mais je la chantais. Ah ouais. Je la chantais aussi mal que Beyoncé. Vous voyez comment elle la chante ou pas? Alors justement, merci pour la transition. D'abord, vous allez chanter vous, et puis après, on va écouter Beyoncé. Non, mais moi, évidemment, elle la chante, évidemment, elle la chante très, très bien, mais il y a un petit accent américain. Elle est en mode... Ouais. What's your turn, chemin? I'm a cigarette. Désolé. Il y a des mots qu'elle n'a pas. Désolé. Allons vers le Mandozilé. Sauf qu'elle la chante à Los Angeles, elle. Oui, c'est vrai. Elle la chante à Los Angeles pour les Oscars, parce que le film avait été sélectionné pour les Oscars. On regarde ou pas? Bah ouais, quand même. On regarde. C'est mythique. Beyoncé, les choristes, en français. Ah, elle chante mieux que moi, quand même. Faites des airs. Quelle extraordinaire. C'est incroyable. J'y étais. Mais je sais. J'y étais, je l'ai vu, moi, en vrai. Qu'est-ce que ça vous a fait d'être aux Oscars pour les choristes? C'est un truc de fou, quoi. Non, surtout parce qu'on est entouré de certains acteurs qu'on connaît, quoi. C'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai été aux toilettes avec Clint Eastwood. Comment il s'appelle? Clint Eastwood. Clint Eastwood. I am French and I fuck you. Gérard, vous disiez... Il parle très bien anglais. Gérard parle très bien anglais. Fluently, oui. Non, mais j'ai pris l'ascenseur avec Morgan Freeman. Ils sont tous très grands ou très petits. C'est vrai. Il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. Y a pas de milieu. Vous disiez il y a quelques années, un humoriste ne fait pas forcément un bon comédien. Est-ce que vous avez changé d'avis avec ce jeune homme? Oui, parce qu'il est comédien. Parce qu'il a fait d'autres films. Il n'est pas que humoriste. Lui, il m'épate. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce une énergie dont je profite. Vous voyez, c'est lui qui parle. Moi, je dis trois conneries. Il parle beaucoup mieux que moi. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont une telle énergie. Non, mais c'est insensé.
Et surtout, moi, je disais toujours, je l'ai vu dans des spectacles, je regardais souvent l'émission qui était passée là sur TF1, puis où il raconte, où il se raconte, c'était assez beau. Et je vois, il rentre, une espèce d'énergie devant 15 000 personnes, et puis il se retrouve dans un film où le cinéma, c'est du silence, c'est de la concentration, c'est un petit truc, et il arrive à jouer pour ça. Et il l'a fait vachement bien. En plus, il fait le magicien, ce qui est un métier difficile, quoi. Alors justement. Mais il y a l'émotion, il y a la vérité, il y a la sincérité. Il sait tout faire, cet enfoiré. Donc, voilà. Et en plus. Et il parle anglais. Il parle anglais. Vous êtes réunis pour la toute première fois dans ce film qui sort mercredi prochain, qui s'appelle Comme par magie, signé Christophe Baratier. Qui avait fait les choristes d'ailleurs. Qui avait fait les choristes évidemment, c'est pour ça qu'on parle c'est des choristes. C'est pour ça qu'on en parlait, parce que pour absolument. Moi, c'est fou. Enfin, c'est un rêve de gosse. Tu te retrouves avec l'acteur principal des choristes, le réalisateur des choristes, Christophe Baratier, dans leur nouveau. Franchement, on m'aurait dit ça petit, j'aurais dit, mais tes conneries, c'est pas possible, quoi. Donc c'était fou. C'était un vrai rêve de tourner ce film. Et puis en plus, on retrouve les ingrédients qu'on avait dans les choristes, c'est-à-dire du rire évidemment et beaucoup d'émotions. Et des larmes, parce que ça fait aussi pleurer. C'est l'histoire de vous, Kev, qui perd sa femme le jour où il devient papa. Elle meurt le jour de l'accouchement. Et vous vous retrouvez tout seul pour gérer votre bébé, pour gérer votre deuil et pour assurer votre carrière de magicien qui commence à décoller. En clair, vous êtes largué, vous êtes totalement ébranlé. Et là, arrive votre beau-père qui vous propose de l'aide. Qui lui aussi subit un deuil puisqu'il a perdu sa fille, mais qui est du genre fantasque, un peu envahissant. Ça donne un beau duo de cinéma et un film émouvant et sensible sur cette question. C'est quoi être père ? J'ai vraiment envie de voir personne. Je viens de perdre la mère de ma fille, alors vous voyez. Je vois très bien. Elle propose une grande tournée en province. C'est quoi ton idée pour Lison ? C'est qu'elle reste ici, avec son grand-père. Tu vas laisser ta fille ici tout ce temps ? Tu risques ta vie tous les soirs, imagine, t'arrive un truc. Si t'es prêt à faire de Lison une orpheline, je t'en prie, ce sera sans moi. C'est pour qui le cadeau ? C'est pour qui ? Je suis pas à la hauteur. Pas facile de se mettre à la hauteur d'une petite fille. Je sais pas si vous êtes un bon comédien, mais là, vous avez l'émotion juste en regardant la bande-annonce. Oui, parce que c'est un film qui m'émeut beaucoup, parce que j'en suis hyper fier. C'est la première fois que je joue un papa au cinéma. Parce que je ne suis pas encore dans la vie, enfin, pas à ma connaissance. Si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est un film qui me touche beaucoup, parce que ça m'a rappelé. Et je trouve que ce film, et ce que Christophe Baratier a fait avec ce film, c'est un vrai hommage aux parents. Pas seulement au papa seul ou à la monoparentalité, aux parents en général. Et en fait, quand je regardais le film, ça m'a rappelé à quel point, waouh, ça demande des sacrifices, ça demande de l'oubli de soi que d'être parent. C'est vraiment pas simple d'élever quelqu'un. C'est vraiment pas simple, surtout quand ils sont en bas âge. Et c'est vrai qu'on grandit après, on fait notre vie et tout ça, et puis on a tendance à l'oublier. C'est le cycle de la vie, c'est normal. Mais quand on voit ce film, on se rappelle que c'est être parent, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel. On voit d'ailleurs que ça vous est jamais arrivé. Ouais. Que une des premières images où vous prenez le bébé, je me suis dit, tiens, papère, ça n'a pas dû lui arriver exactement. Souvent. Et d'ailleurs, c'est ce que dit Christophe Baratier. Il dit que la première fois qu'il vous a mis un bébé, il a tout de suite compris que... Je lui ai dit, ça se voit. Facile, hein. J'ai été le voir, je lui ai dit, mais c'est pas crédible, images. Regarde. Il en a cassé deux, trois. Ouais, c'est ça. Ouais. Je lui disais, c'est pas crédible. Les gens vont pas croire que ça marche, parce que j'arrive. Tu sauras maintenant qu'il faut tenir la tête. Et en fait, il me disait, c'est justement ça qui m'intéresse, c'est que tu sais pas, et donc c'est un papa qui est papa pour la première fois, et les papas qui le font pour la première fois, ils savent pas. Ils savent pas changer une couche, ils savent pas donner un biberon, et c'est et ça qui est intéressant. Bébé, on en parle, du mouche bébé ? Le mouche bébé qui est une scène. Non, mais parce que c'est quand même, je sais pas, Alessandra, si vous avez fait le mouche bébé. Ah, on n'a pas eu le choix. Moi j'ai tout fait. Mais il y a un truc que je n'ai pas pu faire. À chaque fois que j'ai donné au père, c'est le mouche bébé. Ouais, le mouche-nez, quoi. Le mouche-nez, parce que les enfants ne savent pas se moucher. Ah bon ? Mais non. Mais moi, ça fait partie des trucs que j'ai dit. C'est comme le tasse vin, il faut recracher. Oui, c'est ça. Bah oui, mais c'est vrai. C'est les très jeunes enfants et les personnes âgées. Moi, j'ai fait le mouche bébé à Gérard beaucoup sur le Il fait, mais ton père. J'arrive pas, j'en mets partout, donc heureusement que t'es. Mais Florent, vous qui n'avez pas d'enfant, c'est on te colle un truc. Regarde la scène. On va regarder la scène. Ça, c'est bon. Ça va dans le nez.
C'est ça ? Dans la bouche. Dans la bouche. Dans la bouche. Bah, dans sa bouche, dans ta bouche, gros bétail, c'est pas stylé. Dans ma bouche. Ok, j'y vais à trois. Un. Deux. Ah, ah. Il fallait mettre un filtre. J'avais pas vu la bande-annonce, mais c'est chouette de te voir en tant que papa. Arrête. On se connaît bien, ouais. Avec le Kevinou. Ouais. Et je suis heureuse parce que je le vois évoluer, je le vois grandir, je le vois mûrir. Bah, ça me touche, merci. Ce qui est rigolo, pour être très franc, c'est que quand vous étiez gamin et que vous jouiez l'ado que vous étiez, et que vous étiez la star des ados qui vous aimaient, enfin tout ça, et il y a beaucoup de gens qui disaient « Ok, donc lui, il va faire l'ado combien de temps ?» Vraiment, hein, et y compris dans le métier. Ils disaient, OK, il va tirer la ficelle de l'ado jusqu'à quand? Et en fait, vous vous en sortez, et dans ce film que j'ai vu, vous vous en sortez très très bien parce que vous avez fait le passage de l'ado dont on se demande quand ça va s'arrêter à l'adulte jeune, et ça se passe très bien. Ah, et puis la pérennité. Donc, félicitations. C'est un rôle de maturité, ouais. C'était gonflé de le faire d'ailleurs, je trouve que. Et moi, je dois dire que il m'épate. C'est rare, vous dites que vous êtes meilleur père en fiction. Oui, vous avez été un meilleur père dans la fiction, dans la vraie vie. Mais même avec mon fils, quand je me souviens, quand il était petit, j'étais aussi un peu père célibataire hein, au bout d'un moment, mais j'avais plus de patience à diriger des enfants dans des films que de le persuader de mettre tel pantalon plutôt qu'un autre. Enfin, c'est compliqué, quand on, c'est pas facile. Et là, ça a été... ça va mieux maintenant. Hein. Il est bien, Arthur. Ça va mieux. Ouais. On a fait d'ailleurs un très... Et grâce à Dieu, il choisit ses pantalons sans vous. Voilà. On a fait une très belle pièce. Oui, vous avez joué tous les deux. Oui, on a joué une très belle pièce de Licia Colombani à Édouard VII, qu'on reprend en tournée à partir de janvier. Et jouer avec son fils, ça doit être un truc absolument formidable. C'est très bizarre. C'est bizarre, parce que la pièce, c'est pas nous, mais on joue père et fils. Et quand il rentre tous les soirs, il dit « Salut papa !» On est sur scène, dans la vie, c'est assez étonnant. Mais grâce à ça, je le vois un peu plus que d'habitude. C'est bien. La seule question qui nous intéresse, mon cher Kev, c'est est-ce que ça vous donne envie d'avoir des enfants ou ça vous a totalement refroidi, ce film? Non, bien sûr que ça donne envie d'avoir des enfants. Bien sûr que ça donne envie de fonder une famille. C'est bien, un chien. On a déjà eu un débat ici, là-dessus. Mais il faut être bien accroché, donc je pense que voilà, il faut le faire avec la bonne personne, c'est ça aussi. Elle vous met la pression, votre mère? Ma mère me met vraiment la pression, ouais. Elle vous dit j'en ai marre. Ma mère me dit très souvent, vachement bien à la télé tout ça, mais tant que tu n'es pas père, tu vas rater ta vie. C'est ultra violent, mais voilà, au moins je l'ai fait au cinéma. J'espère que ça va un peu l'adoucir là-dessus. Mais en fait, il faut trouver la maman, tout simplement. Oui, voilà. Allez, on y va. Regarde, elle va tout doucement. Elle y va tout doucement. Alors, elle est passée du journalisme politique, si tu veux, pointu, au gossip, genre, vas-y, qui couche avec qui? Mais comme on a la chance d'avoir deux comédiens confirmés et populaires, on va vous faire une masterclass. Comment on devient le roi de la comédie, messieurs? J'ai plusieurs questions. Écoutez bien, Alessandra, maintenant que vous êtes comédienne, peut-être qu'ils peuvent vous donner quelques tips, quelques conseils. Mais il faut coucher. Mais j'ai une des questions. Est-ce qu'il faut être... Tip, c'est en anglais. C'était des pourboires aussi. C'est les deux. Ouais, c'est les deux. Excusez-moi. C'est pas facile, l'anglais. Est-ce qu'il faut être... You speak a little bit. Bravo. Est-ce qu'il faut être meilleur que les autres, cher Gérard, ou le vouloir plus que les autres? Je pense qu'il y a... Moi, j'avais joué une pièce sur Victor Hugo et comment s'appelait-il un type qui était critique, ça s'appelait État critique. Et le type était effarant de jalousie. Il disait, il a tout. Il a le talent, le génie, la rage de plaire. Et je crois quand même qu'il faut avoir une sorte de avoir la rage d'amour ou de reconnaissance ou de pour en vouloir plus que les autres. Pas plus que les autres. En tout cas, il en faut beaucoup. Il ne faut pas écraser les autres, mais il faut... Est-ce qu'il y a des amitiés sincères dans ce métier ou ça n'existe pas vraiment? Je crois qu'il y en a, oui. Ouais. En tout cas, moi, j'en ai connu, hein, ne serait-ce qu'avec les crétins. Là, du Splendide. C'était vraiment c'est toujours une amitié qui est sincère, même si on n'est pas sur les mêmes planètes et qu'on ne pense pas du tout la même chose chacun, mais il y a c'est ami pour toujours. Quoi. Vous êtes toujours ami avec... Ami pour la vie, ah, oui. Pour la vie. Oui, moi, je peux dire du mal de tout le monde, mais
mais... entre nous, mais dès que quelqu'un attaque l'un d'entre nous, je suis le premier à défendre. Non, c'est... Est-ce qu'il faut supplier les metteurs en scène pour avoir un rôle ou attendre à côté de son téléphone ? Question pour vous. Je pense qu'il y a un bon entre-deux entre supplier les metteurs en scène et attendre. Moi, j'ai jamais été de l'école d'attendre au téléphone. Moi, je suis proche de ce que Gérard vient de dire, c'est-à-dire que j'ai jamais obtenu le moindre casting de toute ma vie. Je me suis toujours, et pourtant, ça m'a pas empêché de les faire et d'y retourner à chaque fois. Et j'ai été très vite frustré de ce cliché du comédien qui est j'attends que le téléphone va sonner, je vais obtenir ce rôle. Mais là, sur Christophe Baratier, sur ce rôle-là, c'est vous qui l'avez appelé. C'est moi qui l'ai appelé, ouais. J'ai appelé Christophe et j'ai appelé d'autres metteurs en scène, dont certains ont refusé de me rencontrer d'ailleurs, et je l'en veux pas du tout. Ça viendra peut-être avec le temps et les années, mais j'ai pas envie d'attendre qu'un metteur en scène ait envie de moi parce que ça peut prendre toute la vie. Mais pourquoi d'après vous ils vous ont pas, c'est pas ont mal, ça veut dire que c'est-à-dire que vous faites en gros une liste de j'ai gens fait une petite liste de 4-5 metteurs en scène de gens que j'adore pas. Les films, voilà, et je me suis dit j'ai envie de les rencontrer et bonjour, je suis Kev Adam, j'aimerais bien que vous me rencontriez pour vous donner envie en fait. Exactement, et c'est pas pourquoi votre avis, il y en a qui c'est pas supplier, mais il faut mettre son ego de côté. Mais moi ça me dérange pas de le faire et ça me dérange pas d'aller à la rencontre de ces gens-là. Pourquoi vous pensez qu'il y en a 2 ou 3 qui ont pas voulu. Parce que je viens d'un cinéma, exactement comme Christophe l'a dit, je viens d'un cinéma avec voilà, beaucoup de films pour les jeunes, pour les ados. Ensuite, j'ai fait d'autres films que peut-être les gens n'ont pas vus et c'est pas grave. Mais voilà, il y a beaucoup de clichés autour de ce que je fais quand je fais Les Profs, quand je fais Aladdin. Il y a beaucoup de gens qui se disent c'est pour les jeunes. Et puis, c'est des gros films populaires. On sait très bien comment sont vus les gros films populaires en France. Il y a un côté, il y a toujours cette opposition entre le cinéma d'auteur qui est nommé au César chaque année et les films ultra populaires que Gérard fait depuis des années, que je fais depuis des années, qui sont un peu mis au banc. Il y a un côté un peu, c'est pas du cinéma légitime pour l'Académie. Vous êtes d'accord avec ça, Gérard ? Un petit peu, oui, mais le temps guérit tout ça. Au moment où je vous parle, les choses ont un peu changé, parce que finalement, des films qui étaient un peu décriés, un peu méprisés, sont toujours là, alors que beaucoup de films qui étaient encensés à l'époque sont tombés dans les oubliettes, et ça, c'est assez réjouissant. Donc, il y avait un hommage pour les 40 ans du Père Noël, ils avaient fait une exposition à Lille. – Père Noël est une ordure. – Oui, le Père Noël. – Pour finir, oui. Parce que les gens vont penser sinon que le Père Noël a 40 ans. – Voilà, c'est bien ça. – Merci. Et donc, il y avait des costumes, des tas de choses, des textes. Et puis, ils avaient ressorti les critiques de l'époque. Et ça, c'est très réjouissant. Pourquoi le film s'est fait défoncer? Ah oui, massacré. C'est pas vrai. Oui, massacré. Non. Le Père Noël est une ordure. Ah oui. C'est le cas de beaucoup de comédies populaires. Ouais. C'est le cas de beaucoup. Trigénérationnel. Mais même les choristes. Les choristes Libé attitrés, cette sombre merde qui a trompé 8 millions de spectateurs. C'est quand même formidable. Et à ce moment-là, ça vous fait souffrir ou vous êtes vacciné, vous? Ça fait de la peine quand même, ne serait-ce que pour Christophe, mais ça me fait pas trop de mal parce que le film est un triomphe. Mais quand vous faites un film qui marche pas très bien, qu'en plus vous faites massacrer, vous avez rien pour vous rattraper. Ça m'est arrivé quelques fois, quoi. Donc, mais bon, après, vous savez. Et ça m'est arrivé aussi, c'est souvent le cas avec. Les gens aiment bien dire ça, par exemple. Moi, c'est une phrase que j'entends très souvent en soirée. Les gens aiment bien dire oh, moi, je suis pas très film français. Quand ils disent ça, ils parlent des comédies que les Français vont voir depuis des années, des comédies qui vieillissent, qu'on a tous vues. Je parle de Funès, je parle de Bourville, je parle de Jacques Villeray. Ouais, ou alors ils parlent de Desplechin. Il y en a qui disent aussi j'aime pas les films snob français. Bah, en général, et ceux qui se permettent de dire oh, les comédies françaises, c'est pas mon genre, c'est ceux qui disent moi, Desplechin, j'aime bien. Je ne veux pas faire de généralité, attention, il y a de tout. Et c'est heureusement... vrai qu'il faut se méfier, Télérama, on rit beaucoup. Il faut se méfier. Ah bon. Ah bon. Ce que je veux dire, c'est qu'en tout cas, moi, je ne sais pas si ça s'apaise avec le temps, mais oui, j'ai décidé de ne pas attendre et de contacter les metteurs en scène que j'avais envie de rencontrer et avec qui j'avais envie de tourner. Et j'ai rencontré Christophe, et ça a été une rencontre fabuleuse. Je lui ai dit à quel point j'avais aimé Les Choristes, Faubourg 36, La Guerre des Boutons, enfin, on a parlé de son cinéma. Et vous avez bien raison. Et ça s'est bien passé, et il m'a parlé de ce film, c'est quand même le fun fact sur ce film, il m'a parlé de ce film en me disant, fun fact, c'est en anglais, c'est le fait marrant. Yes. Fun fact. L'anecdote. Quoi. Le fun fact, le dick pic, tu peux dire le dick pic aussi. Dick pic, oui. Non, yes. Non, Gérard. Non. Le fun fact, c'est qu'à ce moment-là, il me dit, je prépare ce film qui s'appelle Comme par magie sur un jeune papa qui est dépassé par les événements et qui va essayer d'élever sa petite mère. C'est déjà casté. J'ai un acteur, c'est Gérard Jugnot. Et moi, je suis dégoûté, je suis dans le café avec lui. Je me dis, mais c'est ce film-là que j'ai envie de faire. Il y a Gérard Jugnot qui est son acteur phare des Choristes. J'ai jamais tourné avec Gérard, je rêve de faire ce film-là. Mais évidemment, je lui dis pas ça. Je lui dis, bien sûr, c'est déjà casté. De toute façon, moi, je suis hyper busy, t'inquiète pas, il n'y a pas de galère. On se tient au courant, on s'appelle occupé, et tout ça. Très occupé. Très occupé. On tient Dick Pic. Hein. Busy. Non, pas Big Pic. Big Pic. Et il me rappelle.
rappelle quelques semaines après en me disant, écoute, finalement, ça n'a pas fait avec ce comédien, donc est-ce que tu veux bien lire le scénario? Donc comme quoi, dans la vie, je crois que la leçon à retenir, c'est faut oser. Mais il y a un truc qui est très vrai dans ce qu'ils disent, c'est que, et je le crois, c'est que le mouvement crée la chance. C'est-à-dire que quoi que tu fasses, quel que soit le métier que tu fasses, si à un moment donné, tu as envie de bouger ou d'aller ailleurs, si tu ne bouges pas ton cul, tu n'y arriveras pas. Hein. Ah bah ça, c'est le principe de votre spectacle. Oui, ça, mais c'est vraiment... Alors, c'est le principe de mon spectacle, cul, mais si je le dis là, c'est parce qu'en fait, ça paraît très con de le dire, mais peu, en fait, en ont conscience. Mais vous aussi, vous avez démarché des réalisateurs ou vous êtes prête à démarcher des réalisateurs? Non, parce qu'en fait, j'ai pas eu... Moi, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant « je suis comédienne ». Je me suis réveillée un matin en me disant « j'ai fait la boucle de mon métier, ça fait 20 ans, c'est super, et j'étais déjà en train d'écrire un seul en scène ». Et je ne savais même pas que j'allais le délivrer quelque part. C'est l'écriture. Je me souviens de ce matin-là, on s'était couché tard la veille. C'était une super soirée. Super soirée. Non, parce que Alessandra, il est amoureux de vous. Ben oui, il est amoureux de vous, sincèrement. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais il est très talentueux. Je lui ai dit quelque chose en coulisses et c'est vrai parce que je connais un peu ce métier. Il va bientôt le montrer ce soir. Moi, je trouve qu'il est bien. Vous allez bien ensemble, les gars. Vous avez la même coupe de cheveux déjà, donc ça, c'est beau. Reste calé là où tu es, toi. Non, je lui ai dit, c'est très dur ce que tu fais parce que c'est comme un excellent second rôle dans un très bon film. Il le fait à merveille. Ouais, vraiment. Pas mal. Mais il y a pas que, pour revenir à ça, il y a une phrase que dit Vincent Lindon que j'aime beaucoup. Il dit, le non, tu l'as. Donc, il faut se battre pour le oui. C'est ça. Et ça, je trouve ça très bien. Bien sûr, mais c'est ça une va. Belle phrase, ça, de là. Ouais. Mmh. Ah ouais. Est-ce qu'il faut être prêt à payer de sa personne, Gérard? Parce que vous avez pas mal payé de votre personne, quand même, à travers les films, on va regarder. C'est-à-dire... Il a donné beaucoup de ton corps. Regardez comment il a donné de son corps. Ah oui. Ah oui. Ben oui, c'est quand même le. Ce métier, c'est... C'est sûr que là, on peut pas avoir... Il y a eu de belles périodes. On peut pas avoir des Césars avec ça. César, c'est le clown. On peut pas remettre, donner des honneurs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais môme, moi, à Noël, je commandais des panoplies. Ah oui. J'adorais ça. Ah oui. Des panoplies de policiers, de Robin des Bois. D'escrimeurs, de Robin des Bois, de Zorro. Et ben, je continue à mon grand âge et j'adore quand on me donne des panoplies. Est-ce qu'il faut être beau pour être le roi de la comédie? Je vous pose la question parce que déjà au moment du Père Noël, vous en parliez, on est en 1980, et voilà ce que vous dites à la télé. Là, dans le Père Noël est une ordure, c'est quoi? C'est une ordure, parce que je joue le Père Noël, d'où le titre. Ouais. Et est-ce que c'est agréable de jouer ce genre de personnage? Ah oui, c'est beaucoup plus agréable que de jouer des jeunes premiers ténébreux. Il n'y a rien de plus ennuyeux. Moi, j'ai de la chance, j'ai un physique qui m'a un peu marqué dans ce genre de personnage, et je m'en réjouis parce qu'il n'y a rien de plus ennuyeux que de jouer des belles gueules ou des jeunes premiers. C'est vrai, moi je suis d'accord avec ce qu'il dit. Je suis d'accord avec ce qu'il dit dans le sens où la beauté parfaite n'a jamais fait rire. Les gens, dans les comédies, on n'aime pas spécialement les gens beaux. Oui, mais bien. En même temps, Chaplin était magnifiquement beau, Keaton aussi. Donc ça, on peut être très beau et faire être clown. Chaplin, oui. Chaplin. Chaplin. Keaton était beau. Ah, magnifique. Buster Keaton était beau. Ah, Buster Keaton, magnifique. Ouais. Oh. Magnifique non. Non, mais. Ça, non, est-ce que le succès rend beau? Oui. Bien sûr. Rambo 1 ou Rambo 2. Il rend peut-être séduisant, quoi. Ouais. Mais c'est sûr, le côté, ça ouais. Change. Ça change tout, moi, je l'ai vécu. Vous l'avez vécu, vous avez eu les femmes qui se jettent sur vous? Non, j'ai pas eu les femmes qui se jettent sur moi, mais par contre, j'ai vu le changement de regard. J'ai vu que quand j'avais la même tronche avant de passer à la télé, j'arrivais dans les soirées, les filles s'en foutaient complètement, et après, la notoriété change ça, c'est une évidence. Le succès Rambo. Mais évidemment. Et je crois pas d'ailleurs. Rambo nous dit oui, mais non, vous non. Vous êtes beau, toutes les Non, mais c'est exactement... Merci, c'est gentil, mais c'est exactement la même chose. En 2012, avant les Jeux Olympiques, c'est comme Kev, j'arrivais en soirée, j'étais un mec lambda, et après la médaille, bah, on nous voit avec la médaille, mais ça a un bon côté, ça a un mauvais côté. Si vous arrivez avec... Non, mais quand même. Après, Florent, c'est d'arriver à voir qui vient te voir pour toi et qui exactement, vient te mais voir du coup, ça biaise un petit peu les rapports, les relations humaines. C'est que, est-ce que cette personne vient pour moi? Est-ce qu'elle vient pour la médaille? Est-ce que moi, je vais essayer de... Voilà, cette personne vient pour moi. Mais c'est vous qui avez gagné. C'est marrant parce que moi, je ne me suis jamais posé cette question. Moi, j'ai tellement souffert petit que quand ça venait, c'est pas grave pourquoi tu viens, viens, viens. Bien. C'est OK, bien. Pour les femmes, Alessandra, est-ce que vous pensez que le succès rend belle? Je pense juste que pour une femme, c'est un tout petit peu plus compliqué parce que du coup, le rapport aux hommes n'est pas le même. Est-ce que ça fait peur aux hommes? C'est sûr. Ah non, mais alors là, vous pouvez me poser la question, je vous dis oui direct. Moi, le nombre de fois où j'ai entendu « Non, mais c'est vrai, c'est un peu dur, tu fais peur aux mecs »,
Non, mais donc en fait, il faudrait. Parce que, mais vous le savez très bien, Léa, parce qu'il y a un côté sur la notoriété, sur le fait d'avoir du charme, même si on est plus ou moins joli, sur le fait de réussir dans ce qu'on fait. Et effectivement, en face, oui, bah, il faut des gars qui envoient un peu. Et c'est la vérité, c'est comme ça. Mais en même temps, on ne va pas se coucher sous la table juste en se disant oh, je suis désolée. Donc non, moi, je l'assume pleinement. J'ai 47 ans et je trouve ça super, quoi. Amen pour ce mot. Non, c'est sûr. Et puis, il y a le fait qu'on occupe l'espace, qu'on ne s'excuse absolument pas d'exister, qu'on parle fort, qu'on ne se cache pas. Et qu'en fait, on est visible, tout simplement. Mais... pas la peine, ouais, et c'est pas la peine d'en faire plus. Ça, non, on ça est juste nous. Déjà. On est juste nous. Ah ouais. Après, ça pose aussi la question de... Mais du coup, ça veut dire que vous attendez quoi d'une relation? Parce qu'en fait, si, quand vous êtes face à une femme qui est là, qui impose et qui est connue et qu'on peut reconnaître et qui sait très, très bien ce qu'elle fait et qui a des zones de génie absolument brillantes et qui les utilise et qui les monétise, est-ce que finalement, ça veut pas dire que dans une relation, et notamment hétérosexuelle, ce que vous recherchez, c'était finalement... une femme inférieure à vous. Moi, j'ai aussi ça que, comme questionnement qui arrive très vite. En fait, si on nous dit « tu fais trop peur et tu prends trop de place », est-ce que ça veut dire que vous aviez un peu cet imaginaire de « je veux une petite nana » On entend beaucoup, là, les jeunes, ils parlent d'une petite meuf. Mais tu sais, Camille, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des super chouettes mecs. Ouais, et qu'il y en a qui passent à travers ça. N'hésitez et pas qui à m'appeler. Te rendre heureux. Alors, vous appelez Camille, les chouettes mecs. Mais vous avez raison, Alexandra. Pour rendre hommage aussi aux hommes qui. Il y en a qui n'ont pas peur. Il y en a des qui aiment bien chouettes. Non, puis t'as des mecs aussi qui ont un peu de succès, qui sont des mecs. C'est des mecs super, sympas, qui se prennent pas un melon, qui sont pas forcément... On ne dit pas d'eux, ah, ils ne laissent pas beaucoup de place. Si, peut-être, ils ne laissent pas beaucoup de place, mais déjà un petit peu de place, c'est déjà pas mal. C'est vrai, c'est vrai. Hein? Il y a ces gens-là et il y a Christophe de Chavannes, c'est autre chose. Vous avez un point commun, tous les trois. Vous savez ce que c'est? Non. Un point commun. C'est la figure de vos trois grands-pères ont été capitales pour vous dans votre cheminement. Vous, votre grand-père était boucher? Oui, maternel, oui. Et il a été une figure importante? Oui, il était très important pour moi, oui. C'était, en plus, je m'en suis servi pour faire M. Batignol, quoi. Mais ce n'était pas lui. Hein. C'était un type qui était boucher. Et pendant la guerre, il a pas dû être trop moche, puisqu'il a fait faillite. Et il fallait quand même être assez con pour faire faillite. Quand t'es bouché pendant la guerre. En tout cas, il fallait pas trop magouiller pour, quand on fait des métiers de bouche. Et donc, il a très vite pris sa retraite. Et après, il vivait de tas de choses. Et j'ai passé beaucoup de temps dans sa brouette à te promener, à nourrir les lapins et à les manger après. Kev, votre grand-père, Daddy Roger. Oui, les deux d'ailleurs, les deux, Papy Sylvain et Daddy Roger, qui ont été des hommes extraordinaires, c'est la raison aussi pour laquelle, ils sont la raison pour laquelle je voulais absolument faire ce film Maison de retraite, qui rend un vrai hommage aux personnes âgées. Les deux ont un peu une histoire similaire. L'un est un immigré qui est arrivé de Tunisie quand il avait 25 ans, l'autre d'Algérie quand il avait pareil, 25 ans. C'est des gens qui sont arrivés en France avec rien du tout. On la connaît, l'histoire des pieds noirs en France et qui ont finalement tout construit, ont tout bâti d'eux-mêmes. J'ai un profond respect pour ces hommes et c'est des hommes qui étaient très protecteurs de leur famille et qui nous laissaient croire que tout était possible et qu'on pouvait faire des métiers de l'impossible. Mon grand-père, Daddy Roger, était comptable. C'était sa grande fierté de me voir à la télé parce qu'il a pu me voir. Et l'autre, malheureusement, est décédé avant que je commence ce métier. Il me disait, moi, si on m'avait laissé le choix, j'aurais été artiste. Et comme on ne m'a pas laissé le choix à moi, bah, tu le seras toi. Et ce sera ma fierté. Donc, c'est important. Et vous l'avez fait pour lui. Et vous, Alessandra, j'ai lu que votre grand-père était injuste. Ouais, mais moi, c'est une histoire fantastique. D'abord, j'aimais mon grand-père à la folie et ma grand-mère aussi. C'était la CX, la clope au bec, les fenêtres ouvertes pour partir dans le sud. C'est toute une aventure. Mes grands-parents et mon grand-père, à sa mort, ouais, on a retrouvé des lettres de familles juives qui le remerciaient. Et alors là, à chaque fois, je suis hyper émue parce qu'en fait, c'était quelqu'un de merveilleux. Il l'était déjà dans la vie, mais en fait, il nous a laissé un témoignage de ce qu'il était encore plus. Et il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Quel mec. Ouais, voilà, on a envie de rendre hommage à votre grand-père ce soir. Bien d'avoir fait. Juste comme ça. Le film s'appelle « Comme par magie » de Christophe Baratti avec Kev Adams et Gérard Jugnot. C'est en salle ce mercredi.
Alessandra Moscovici, oui, chez vous, c'est cette prise de risque permanente, cette manière que vous avez de jouer votre vie tout le temps. Vous auriez pu vous contenter d'être une des animatrices préférées des Français, de faire votre job tout le temps, tous les jours, à TF1 ou ailleurs, avec un salaire confortable. Et non, vous lâchez tout pour devenir comédienne, alors que personne ne vous attendait. On dirait les photos des rôles de Gérard Jugnot, c'est fou. Hein, quand même. Ça, c'est tout ce qu'elle a fait. Et encore, on a sélectionné quelques-uns. Mais c'est vrai que vous avez créé une émission, C'est à vous. Vous avez été Action Vérité, Incroyable Talent sur M6, Le Bonheur est dans le Pré. Enfin, je ne sais plus ce que vous n'avez pas fait encore. Quand vous avez décidé de tout plaquer, de plaquer la télé, vos proches, ils vous ont dit « t'es complètement folle ou non ?» Non, mais la réaction première des gens, c'est forcément de dire bah, « qu'est-ce qui t'arrive ? T'es bien dans ton métier, ça marche bien, tu gagnes bien ta vie. » Et en fait, c'est là qu'on voit qu'on n'est jamais dans la vie des autres. C'est que de l'extérieur, tout peut paraître effectivement confortable, mais il y a un moment donné, moi, j'ai besoin d'avoir le cœur qui bat. C'est comme une histoire amoureuse. Et le cœur battait plus ? Et le cœur battait plus parce que je crois que j'ai eu beaucoup de chance de faire ce métier. D'ailleurs, je dis souvent, j'étais pas journaliste, j'étais animatrice. C'est un mot qui est un petit peu galvaudé et j'aime bien le remettre au goût du jour parce que c'est un très beau métier et que j'ai adoré le faire pendant 20 ans. J'ai eu beaucoup de chance parce que les gens ont suivi. C'est vrai que y a quelques émissions qu'on a créées et là forcément, je pense à Pierre-Antoine Capeton avec qui on a fait C'est à vous, Un soir à la Tour Eiffel et Fais-moi une place, même Action Vérité. Donc j'ai eu cette chance de pouvoir vivre des aventures comme vous en vivez une, là. Et ça, dans un moment de votre vie, c'est extraordinaire. Alors, c'est beaucoup de travail. Là, je rejoins Kev et Gérard. Oui, il faut en vouloir un peu plus que les autres aussi. Mais il y a eu ce moment où je me suis dit, c'est fini. Vraiment comme une histoire amoureuse. C'est-à-dire, j'ai envie d'autre chose. J'étais en quête de sens. Et j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me fait vibrer et dans lequel je vais me sentir vivante. Mais il y a quand même un truc avec vous. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous dit « tu ne vas pas y arriver », conduire un bateau, piloter un avion, vous avez même passé votre brevet de pilote, réussir une émission, écrire un livre, monter sur scène, à chaque fois on vous dit « mais non, mais oublie, ce n'est pas pour toi ». Et j'ai l'impression qu'à chaque fois vous vous dites « je vais leur montrer que si, je vais y arriver ». Mais c'est un formidable moteur. Moi, je crois que je suis née avec le goût du challenge, donc forcément le goût du risque. Ça ne s'invente pas. Et effectivement, plus le challenge paraît élevé... L'avion, typiquement, je n'ai jamais été passionnée d'avion. Et j'en ai eu marre d'entendre « non, mais c'est long, tu vas voir, et puis il y a cette théorie, ce bouquin de 500 pages, puis ces deux examens théoriques, il y a beaucoup de maths. » Tu vas pas y arriver. Ouais, tu vas pas y arriver. Bon, j'ai pris des cours de maths pendant un an, je pilote des avions et je trouve ça super. Mais encore une fois, je crois que je le fais pas uniquement pour le montrer aux autres, c'est que dès qu'il y a un challenge, je trouve ça génial. Mais pourquoi ? Voilà. Parce qu'il y a un truc chez vous, le confort c'est la mort ou l'ennui c'est sûr. De toute façon, j'ai divorcé deux fois, donc le confort c'est la mort, ça c'est une certitude. Ah, ouais. Non mais quelque part, ça va avec, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'il y a un moment donné... En fait, dès que tout va bien, vous... Mais parce qu'on pourrait dire aussi, elle cache son jouet. On pourrait non, dire... non, c'est pas dès que tout va bien. Typiquement, à la fin de C'est à vous, quand on m'a dit « mais enfin, pourquoi tu pars ? Ça fait 4 ans », j'avais pris la case à 45 000 téléspectateurs, je l'ai montée à 1 million. Et à un moment donné, je me suis dit « super, allez, next !» C'est pas du tout une enfant gâtée qui parle. J'ai réellement besoin de sentir que je suis utile, que je suis utile et qu'il se passe quelque chose là où je suis. Et ça s'arrêtera jamais, j'assume maintenant complètement et je trouve ça génial. C'est-à-dire ça s'arrêtera jamais, c'est-à-dire comme animatrice, vous ne vous sentiez plus utile? C'est-à-dire que globalement, je me sentais moins vivante, j'avais moins le cœur qui battait et quelque part, on ne peut pas mentir aux gens. Quand on fait de la télévision, moi j'ai reçu des animateurs et des journalistes, et vous le savez très bien, qui en coulisses me disaient « oh, on se fait chier, oh, c'est pas top ». Mais putain, on fait un métier merveilleux, on gagne très bien notre vie, on est dans le monde des bisounours quand même, quelque part, rapport aux gens qui nous regardent et qui ont des vies difficiles. Donc en fait, il faut après juste être en accord avec soi-même. Quand je vous dis j'étais en quête de sens, je ne suis pas partie en live dans ma tête avec Bouddha d'un côté. Et... Non. Juste, j'avais envie d'autre chose. Et c'est marrant parce que comme on a un métier public, forcément, et qu'on le dit haut et fort, ça interpelle et ça appelle forcément plus de questions. Tant mieux, posez-les-moi. Parce que du coup, en fait, j'en ai c'est le but. J'en ai beaucoup de questions à vous poser, Alessandra, mais elle a des... Moi, je l'adore. J'allais dire des couilles, mais... Moi, j'adore Alès pour ça. Ah non, alors la Camille, elle a une grosse paire d'ovaires. Non, mais c'est vrai, c'est la seule que je connais. Tu lui dis ça va, elle dit vas-y, pose-les-moi tes questions, vas-y, pose-les-moi. Non, c'est pas ça, mais c'est ça. J'aime bien chez vous.
J'ai pas fait de télé pendant un an et demi, je me suis fait plutôt rare, je vais pas venir chez elle pour dire non, je m'exprime pas. Non, mais t'as ok, je l'ai fait une fois, voilà, après je m'en vais. Non, mais c'est super. C'est cette liberté-là, ce goût du risque qu'on retrouve dans votre spectacle. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Ça démarre lundi soir au Théâtre Antoine pour une représentation et ensuite vous êtes à la scène libre à Paris à partir de vendredi. Vous flippez? J'ai eu une chance folle, c'est de faire le Festival d'Avignon au Théâtre du Chêne Noir tout le mois de juillet. Et c'était une aventure absolument fabuleuse, un peu plus à l'abri, entre guillemets. Enfin, et à l'abri, en même temps, l'Avignon, c'est le temple du théâtre. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'étais forcément très fière. Et en plus, j'étais dans un théâtre qui a beaucoup de sens. Et je remercie encore Julien Gélas et mon producteur Jean-Marc Dumontet, parce qu'il faut être courageux aussi pour aller dire « Ok, on va produire Sublet ». Mais je crois qu'encore une fois, voilà, ça m'a permis de comprendre que je ne m'étais pas plantée. Que ça n'allait pas être facile, mais de voir les gens tous les soirs venir vous voir, acheter un billet et voir cette matière palpable face à vous, chose que l'on n'a pas sur un plateau de télévision, j'ai trouvé ça merveilleux. Vous dites que c'était indescriptible, c'était plus fort que l'antenne. Ah, mais c'était, oui. Plus, c'était quoi? C'était une drogue? C'est plus fort que le sexe? C'est plus non, fort que... c'est pas... Calmez-vous. Chose ça comme va en ce moment ou pas? Non, Léa, sérieux. Non, mais ça va ou pas? Très bien. Non, mais moi, je trouve que oui, hein. Franchement. Moi, ça va. Moi, je trouve que, la scène, quand tu fais un spectacle... Tu vois qu'elle passe franchement, ouais. Quand tu fais un spectacle et que tu te manges 4000 personnes qui crient, tu sors de là, ouais, c'est mieux plus que fort le sexe, que le parfois. Cul. Ouais, franchement, ouais. Alors, pas avec toi, attention. Non. C'est très grisant de voir que vos convictions, en fait, touchent les gens. Voilà, en fait, je ne suis pas dans l'antre de Narcisse. Globalement, j'ai eu mes 20 ans, entre guillemets, de gloire, c'est-à-dire que j'ai dompté mon ego, tout va bien, je suis très contente, j'ai une jolie carrière. Donc, en fait, tout ça, je le fais aussi pour cette transmission-là. Voilà. Alors, justement, on va regarder le teaser, comme on dit, et ensuite, j'ai des questions. D'accord. Moi, j'ai toujours imaginé que la vie nous déposait en haut d'un grand 8. Oui, un grand 8 flippant où nous devons gérer nos émotions. J'aime l'idée du grand 8. D'abord parce que dans la vraie vie, je ne monterai jamais dedans. J'ai peur. Mais surtout parce que le grand 8, c'est l'aventure, le grand saut. Il faut tantôt se laisser aller sur la pente raide, jouir de ce vertige, de cette adrénaline qui emballe nos cœurs, de ces moments joyeux qu'il faut vivre au présent. Et à l'inverse, accepter que ce grand 8 nous emmène parfois vers l'inconnu, avec la peur de l'avenir, la peur d'un futur que l'on ne maîtrise pas, ces obstacles que nous devrons affronter et ces choix de vie que nous devrons faire. C'est quoi le message? C'est quoi le message du spectacle? Pour moi, il tient dans... vous voulez décomplexer les gens, vous voulez leur dire n'ayez pas peur de vous planter, n'ayez pas peur des échecs et bougez-vous le cul. Oui, parce que c'est ces échecs qui font de nous ce que l'on est. Je le dis dans le seul en scène, c'est on est une somme d'erreurs. Sans tous ces échecs, on ne se construit pas. Et le problème, c'est qu'on est dans une société qui nous enseigne beaucoup la réussite, très peu l'échec. Il y a autre chose de très limitant dans notre société, c'est que les injonctions, les croyances limitantes sont des obstacles et des barrières qui nous brident beaucoup. Alors, c'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes, écoutez, Camille, ça va vous intéresser. C'est je suis trop vieux, je suis trop nul, je suis trop jeune, je suis pas capable. Et ça, tout le monde développe une croyance limitante à un moment donné ou à un autre. Vous avez eu quoi comme croyance limitante dans votre vie? Pour être très honnête, je pense qu'en fait, on en a tout au long. Moi, plus ça allait, plus je me disais, est-ce que je suis. En fait, je me challengeais, c'est-à-dire, est-ce que je suis capable? Moi, j'ai pas eu, je crois, de croyances limitantes. Moi, j'ai inversé, mais encore une fois, c'est un tempérament, j'ai inversé le process, quoi. C'est-à-dire, je me disais, attends, tiens, est-ce que je suis capable de le faire? Est-ce que je suis capable d'être super mytho sur un casting pour avoir un rôle? Est-ce que je suis capable, tiens, de créer une émission? Est-ce que je suis capable de faire mieux que le Grand Journal? Est-ce que je suis capable de... Voilà, et ça, à chaque fois, m'amener ailleurs. Mais le plus important, c'est le regard des autres. Aujourd'hui, la plupart des gens sont bloqués dans leur vie à cause du regard des autres. Parce que le regard des autres, ça commence à l'école. C'est très dur à l'adolescence, dès qu'on a envie de se différencier un petit peu, encore plus dans cette société aujourd'hui, parce que bizarrement, on l'a dit très ouverte, on parle d'évolution des mentalités. Or, dès que quelqu'un est un peu plus atypique qu'un autre, dans les foyers, on entend, tiens, c'est bizarre. Comment le regard des autres, d'ailleurs, le spectacle devait s'appeler Le regard des autres. Ouais, c'est vrai. Comment le regard des autres, vous en êtes émancipé? Je crois que ce métier... Et dans quelle mesure il vous a fait souffrir, le regard des autres, vous, personnellement? Non, mais quand on fait ce métier, au départ, on prend cher.
c'est normal. C'est-à-dire qu'on est jugé, on est analysé, non pas sur ce que l'on est profondément, mais sur ce que l'on montre. Et en même temps, j'ai tendance à dire, c'est le jeu ma bonne lucette. Personne t'a forcé à te montrer. Et donc après, il faut assumer. Mais il y a un temps pour assumer tout ça. Il y a aussi une maturité à avoir, il y a une sagesse. Moi, c'est pour ça que je dis que j'ai jamais été aussi bien qu'à 47 balais, parce que, en fait, au fond, je m'en suis affranchie de ce regard-là. Et ce que j'aimerais, c'est mais que c'est les autres. C'est vrai ce que vous dites quand vous dites, parce que je vous lis, j'ai lu, j'ai 47 ans et je ne me suis jamais sentie aussi bien qu'aujourd'hui. Vraiment, c'est-à-dire que vous avez le temps qui passe, les rides, le fait. Vous ne vous êtes jamais sentie aussi bien. La preuve, c'est que d'abord, j'ai rien touché sur mon visage. Ça, donc, je me lève tous les matins avec mes rides de meuf de 47 balais, et globalement, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et deuxièmement, parce c'est que. C'est une chance. Non mais attends, j'ai rien dit, pourquoi non, tu me regardes pas. J'ai rien dit. Non, il n'y en a pas beaucoup qui font ça ou il n'y en a pas beaucoup des rides? Bah c'est pas ça, beaucoup. C'est que quand je regarde, mais non mais je trouve ça, moi j'ai des copines qui me disent, ah, elles achètent un magazine, elles me disent ça, l'autre elle a rien. Non mais c'est pas la vraie vie, on va arrêter de se mentir deux secondes trente, donc oui après c'est vrai, vous rentrez dans un métier d'image, mais j'ai envie de ce naturel, moi j'ai envie de ça, j'ai ça envie a toujours qu'on... été votre touche. Oui c'est vrai, ça c'est la vérité, je me suis d'ailleurs battue parfois même pour qu'on retouche pas certaines photos parce qu'on me disait, ah non mais ça c'est pas très gracieux, mais enfin on s'en fout. Quand tu te lèves le matin, tu crois que tu es gracieuse. Vous êtes très belle. Donc, c'est ça ce que j'allais dire. C'est ça aussi. C'est ça le problème. C'est facile. Oui, c'est ça, c'est comme les gens qui disent, j'aimerais bien être comme, oui, comme elle à son âge, mais ils n'ont pas été comme elle. Alors attendez. Combien de femmes, et alors là, je veux aucune hypocrisie autour de ce plateau, combien de sublimes femmes se sont fait retoucher le visage dernièrement, et des femmes de mon âge et plus jeunes, alors qu'elles sont sublimes? Toutes. Bon, bah merci. Donc en fait, on va arrêter avec ce principe. Pas au même âge, peut-être. Mais qu'est-ce que tu racontes, Christophe? Il y a des meufs de 30 ans aujourd'hui qui sont de sublimes actrices et qui ont le visage refait. Ah bon? Bien sûr. Oh, bah, ouais, bon, Bachi. Bah écoute, non, regarde des magazines à la télé, merde. Mais en fait. Je dois pas regarder les bons. J'avais arrêté de me faire chier, les deux, là. Non. Ah, c'est bon, mais pas. Encore une fois, ça va aller? Je juge pas. Je on dis dit pas ça pour vous. Non. Non, mais. Moi, j'ai pas, pour le coup. Moi, j'ai pas, je vous assure, elle est venue vérifier avant. Non, il y a la ridule, ça va, tout va bien. Non, mais on s'en fiche de ça. Mais vous dites aussi en télé, on te construit ton image, il faut être. Alors, oui, mais sauf que j'ai très vite compris, et ça, c'est grâce à mon producteur, à Pierre-Antoine Capeton, qu'à un moment donné, et ça a été le cas de C'est à vous dès le départ, on pouvait exister comme on était. Mais parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a aussi montré ce chemin-là. Oui, parce qu'il y a des hommes super aussi. Il y a des hommes géniaux et qui vous accompagnent. Moi, je t'ai pas dit, par exemple, sois toi-même. Non. Mais ça n'a pas duré assez longtemps. Tu m'as viré au bout d'un mois et demi. Bah ouais. Il vous a viré un mois et demi. Il vous a viré. Non. Bah si. Ça m'a paru long. Mais tu m'as pas dit directement. Tu sais, ce qui est génial, Christophe, aujourd'hui, c'est que quand tu sors de là, t'as plus de problème. Vraiment, moi, quand je dis je rends à César ce qui est à César, Christophe m'a mis à l'antenne. Après, il m'a fait grandir très vite, puisqu'effectivement, j'ai été virée de cette émission au bout de deux mois. D'ailleurs, tu ne me l'as pas dit directement. Et qu'en fait, toutes ces petites choses. J'adore les taquer. Là, c'est la vérité. Hein. C'est la vérité. Et toutes ces petites choses te font grandir. Moi, à l'époque, j'avais 27 ans. Je me suis dit, le monde de la télévision, c'est ça. C'est moi, j'ai compris, t'es une merde. Non, mais c'est ça. C'est ce que j'entends. Moi, c'est ce que j'entends. C'est pas moi qui le dis. Mais c'est la vérité. Mais quelque part, ça c'est te vrai fait que, grandir. C'est vrai que sur. Non, mais c'est mais des trucs. C'est vrai que sur. Non, mais moi, on m'a dit que t'étais parti. Hein. Ouais, c'est ça. Ben si. Allez, vas-y, t'enfonce pas plus. Mais je m'enfonce pas plus. On m'a dit que sur M6. C'est vrai que sur M6. Je me suis même demandé pourquoi t'étais parti. C'est vrai que sur M6, la nouvelle star, vous vouliez. Quand Virginie Fira est partie, on vous a dit. Non, parce que t'as pas autant de charisme qu'elle. Elle vous a vraiment dit cette phrase, on vous l'a formulée comme ça. Non, c'était pas tout à fait ça. En fait, je présentais L'amour est dans le pré, Incroyable de talent, qui étaient déjà deux gros formats qui venaient d'arriver à l'antenne. Et j'étais allée voir effectivement la direction en disant, bah, moi j'aimerais bien reprendre Nouvelle Star si Virginie s'en va. Et effectivement, on m'a expliqué que c'était pas pour moi. Et dans le « c'était pas pour moi », Ça aussi, c'est costaud. Ça aussi, quand tu sors de ce rendez-vous-là, tu te dis, OK, donc en fait, suis-je une grosse merde? Moi, plus ça va, plus ça me donnait la niaque. Plus ça va, plus j'avais envie d'y aller. Et vous avez une méthode que vous expliquez dans le spectacle, parce que tout ça, c'est lié aussi à votre spectacle. C'est-à-dire que vous dites les choses sans filtre, cache, de manière très sincère. Et dans votre spectacle, la méthode Sublet, c'est 1, la confiance, 2, le culot,
trois le mensonge. Alors, le mensonge, on l'a vu au début de l'émission, hein, vous êtes capable de pipoter sur à peu près tout. Ouais, mais c'est la seule fois que je l'ai fait. Pour le culot, vous l'aviez déjà gamine quand au bac, vous passez, vous êtes à l'oral du bac. Il vous manque un point. Suis, c'est mon deuxième. C'est, attendez, moi, j'étais pas du tout une élève assidue, j'étais pas du tout disciplinée. C'est la deuxième fois que je passe le bac, je suis au rattrapage, je suis au bout du rouleau, il manque un point. Donc effectivement, là, et vous tombez sur le Brésil. Et je tombe sur le Brésil que j'ai pas révisé et je, voilà, et je dis et là, au gars. Vous dites quoi ? Bah non, j'ai fait l'impasse. Mais non, mais il me fait piocher un papier en plus. C'était horrible. Donc j'ai dit, voilà, il me manque un point. Ça va rien changer dans votre vie. Que je sache pas placer Fortaleza sur la carte du Brésil, je crois que tout le monde s'en tape. Donc est-ce que vous pouvez juste m'aider à me donner ce point ? Parce qu'en vrai, ça changera pas la face du monde. Et vraiment, oui, c'est, mais c'est, vous savez, on se découvre avoir du culot. On n'arrive pas avec cet aplomb-là. Et c'est ça que j'explique dans le spectacle. C'est que on, parfois, on se surpasse, on se dépasse. Et en fait, c'est là où on commence à prendre aussi un peu confiance. Après, et c'est passé. Prendre... Et c'est passé. C'est passé. Ouais. Parce que moi, j'ai un truc presque similaire. Moi, j'ai oral d'espagnol. Je ne parlais pas espagnol. Je lui dis, je t'ai raconté. Je lui dis que c'est pas, que c'est pas. Et je lui dis pareil. Je lui dis, c'est pas grave, en vrai, madame, on s'en fout. Et ben, j'ai pas eu le bac. Je peux te dire qu'elle a pas. Mais voilà, mais ça vous aide à avoir un tout petit peu plus confiance. Est-ce que vous êtes rancunière ? Vous dites au début de C'est à vous, j'ai été frappée de plein d'articles de misogynie, de... Est-ce que vous avez gardé en cœur pour les gens qui ont écrit ça ? Le début de C'est à vous, ça a été très compliqué et moi, j'en ai pas beaucoup parlé parce qu'à l'époque, je voulais pas mettre en avant que j'étais une femme. Je voulais pas que ça devienne un argument pour me victimiser. Je me suis dit, tiens ma grande, la seule chose que tu as à faire, c'est à bosser pour que ça marche et ce sera la seule façon de leur répondre. Mais j'ai pris effectivement des articles qui a mis sur France 5 la chaîne de la connaissance et du savoir, la nana qui portait des bottes en plastique dans l'amour et dans le pré. France ça, ce 5... complexe de la culture, du manque de culture, c'est un truc que j'ai lu dans tous les papiers. Pourquoi on vous a ramené, renvoyé à ça tout le temps ? Bah déjà, Thierry Ardisson ne m'a pas aidé. Ensuite, enfin bon, j'en ai vraiment plus rien à foutre pour le coup. Deuxièmement, je pense que... Non, mais c'est vrai, il faut le dire. C'est que... Qu'est-ce qu'il a fait ? Moi, au moment où je suis arrivée sur C'est à vous, je pense que ça a aussi aiguisé quelques jalousies, forcément. Et tout de suite, la culture a été le premier volet, enfin, le premier argument pour me rentrer dedans. Au début, ça a été dur. Même, je disais à Pierre-Antoine, en fin d'émission, à chaque fois, je disais, ça va, j'ai pas trop l'air con. Et j'ai beaucoup travaillé. Mais vraiment, j'ai beaucoup travaillé. Et c'est ce que je dis aussi, c'est qu'il y a un moment donné, j'ai mis du temps, moi, à apprécier les films d'Hitchcock ou de Truffaut, même à apprécier leur répartie en interview. Moi, je kiffais Bridget Jones, Julia Roberts dans Pretty Woman et Top Gun, et même encore aujourd'hui. Et je m'en fous et je trouve ça super. Mais encore une fois, tout ça, ça prend du temps. Il faut l'assumer et c'est génial d'avoir de la notoriété pour le dire. Et c'est à ça que sert votre spectacle et c'est ça qu'on peut voir, c'est, on vous voit sans filtre. J'ai encore plein de questions à vous poser, ça notamment... Oui, ça donne envie... Ouais, parce que en plus, moi, j'ai la chance de la connaître dans la vie. On a fait ensemble Massinger, et c'est vraiment ce qu'elle est, quoi. C'est moi, elle me parlait dans la loge, on faisait les cons dans la loge, on se retrouvait sur le plateau, elle me disait la même chose, quoi. Et je trouve que c'est rare les gens. Elle ment pas vraiment, en fait. Non. Mais non, elle ment pas. J'ai rarement vu des gens aussi cash, aussi francs qu'elle. Enfin, moi, c'est quand même la seule personne, moi, qui parfois en plateau me disait, oh, mais tais-toi, tu nous emmerdes. Et c'est génial, quoi. Tu vois, ça fait du bien, et je trouve que c'est rare les gens comme ça. Donc moi, vraiment, j'ai beaucoup d'amour pour Alès. Alors oui, on a couché ensemble, mais ça n'a rien à voir. Mais moi, j'ai couché avec tout le monde. Alors, on va voir. Alors, avec qui a couché Alessandra Sublet ? Ça, c'est ce qu'on va voir dans un instant. Non, en vrai, j'ai encore beaucoup de questions à vous poser. Le Bureau des Légendes, il y a un photocall spécial qu'on vous a préparé. Mais d'abord, je vais vous demander de vous reculer tous au fond du siège, de prendre vos verres. On va tous prendre ces verres. Parce que là, mesdames, messieurs... Voilà, il va se passer quelque chose sur cette table. Vous connaissez forcément tous ici le cirque. On recule encore plus. Vous reculez après. Ouais. Le cirque du soleil. Leurs shows font des cartons absolument partout à Las Vegas et dans le monde entier. Ils sont très rares en télé. Ils sont avec nous ce soir. Ils nous présentent un extrait de leur tout dernier spectacle. Ça s'appelle Curios, le cabinet des curiosités. Après Londres, après Milan, Rome, Bruxelles, 200 000. Arrête de bouger. 200 000 spectateurs en deux mois, le spectacle débarque à Paris à partir de la semaine prochaine. Mais d'abord, ils sont sur le plateau. De quelle époque ?
Bravo. Curios, le cabinet de curiosité. Le nouveau spectacle du Cirque du Soleil, et ce n'est qu'un extrait de ce qu'ils font, c'est absolument fascinant. Le monde entier à Las Vegas, c'est un carton. Ils arrivent à partir de jeudi prochain, Château dans les Yvelines, sur l'île des impressionnistes. C'est jusqu'au 7 janvier prochain. Paul. Alors, quelle Alessandra, qui se cache sous le costume du poisson? Non, moi, pendant le spectacle, je me suis dit, parce que ça arrive à tout le monde, d'arriver dans votre émission au milieu. Moi, je me suis dit, si quelqu'un allume, il va se dire, ah, putain, il y a Salamé de Chavannes qui danse, là, c'est un délire. C'est extraordinaire, Salamé. Hein. Wow. Le travail. C'est fou, hein. C'est énorme. Le travail. C'est ouf. Ça paraît tellement simple. La synchronisation nécessaire. Et alors, en anglais, c'est flexible. Le bureau des légendes, comme prévu. Comme vous mentez, vous dites que vous mentez. Bah, du coup, on veut savoir ce qui est vrai, non, ce qui n'est pas vrai. Ah non, vous le dites dans le spectacle. Dans le spectacle, vous assumez. Alessandra, est-ce que c'est vrai que vous avez changé de prénom juste pour vous faire remarquer? Parce qu'Alexandra, c'était... Alessandra, c'était plus stylé qu'Alexandra. Mon prénom au civil, c'est un X et j'avais mis deux S parce que quand j'appelais certaines sociétés de production à peu près 30 fois par jour, au bout d'un moment, ils retenaient mon prénom avec deux S. Est-ce que vous avez vraiment été présentatrice sur MTV? Non. Ça, mais je faisais les fiches. J'étais stagiaire, pour de vrai. Ah, c'est vrai. Mais du coup, après, j'ai un peu renversé le truc. Est-ce que c'est vrai que vous avez quitté M6 parce qu'on vous a dit non pour Nouvelle Star? Oui. C'est pour ça que vous êtes partie? Oui, parce que je suis partie avant d'avoir la proposition de C'est à vous. Et donc, du coup, j'étais repartie surfer dans le Sud-Ouest. C'est pas possible. Vous êtes vraiment, mais au-delà de tout. C'est pas possible. Est-ce que c'est vrai que vous lisez aujourd'hui un livre par semaine? Ouais, en fait, non, j'en ai beaucoup lu pour le spectacle. Mais ce que j'ai expliqué, c'est que j'ai longtemps absolument pas eu l'envie de lire. Et c'est venu très tard. Ça aussi, il faut en parler, c'est pas très grave. Et par contre, depuis que je m'y suis mise, j'adore. Et alors, quelqu'un qui n'aimerait pas lire, vous lui diriez quoi? Parce que vous n'avez pas c'est aimé. Pas, non, déjà d'une, c'est pas grave. Qu'il y a pas moi, je vois mon fils, il a un rallye lecture à lire, un livre à lire chaque semaine. Parfois, il me dit qu'il n'y arrive pas, je suis sa mère, je suis obligée de dire, allez, on y va. Mais je comprends, la lecture, c'est pas forcément... C'est accessible à tout le monde, mais ça ne vient pas comme ça. Voilà, on peut mettre du temps à apprendre à lire et à aimer lire. Et aujourd'hui, c'est mon cas et je suis très heureuse de ça. C'est vrai que vous êtes totalement accro aux randonnées. Vous pouvez, sur un coup de tête, partir à 7h du matin, faire 8h de randonnée. Ça, c'est vrai. Ah ouais, j'adore marcher. Et j'adore marcher seule. C'est-à-dire que je trouve que dans la marche, il y a une espèce de démarche qui fait qu'on se ressource, on pense, on développe ses idées et surtout, on a la paix. Mais moi, je ne suis pas du tout mondaine. J'aime bien être dans ma campagne tranquille. Et c'est vrai qu'à 21h30, vous dormez, pas de dîner mondain. Ouais, non, j'aime pas sortir, j'aime pas les dîners, ça me saoule la plupart du temps. Oui, c'est vrai. Non, mais j'ai réussi à l'emmener en boîte, tu sais. Voilà. Ça a été un grand moment parce qu'il sait que je sors jamais, mais je peux vous dire que... Je le ferai plus jamais, mais c'était très drôle. Ah ouais? Avec mon jeune. Mais Avec moi jeune. Parce qu'elle arrêtait pas de me dire, moi 21h je suis au lit, 21h je suis au lit. Et parfois les tournages duraient un peu plus tard. Et donc attention, Alès elle sort pas, mais elle est très curieuse. Donc elle aime bien, raconte-moi les potins, les histoires, qu'est-ce qui s'est passé, il y avait qui, comment et tout. Et donc je lui dis, un jour avec Jarry je vous emmène. On dit ok, on se fait le deal et tout. Et un jour je les ai emmenés, mais il fallait voir leur tronche, c'était fantastique. Mais non mais c'était où? Je les ai emmenés dans une boîte qui s'appelle le Boom Boom avenue de Friedland. Non mais pas. Et ça fait vraiment boum 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 boum, ok? Et surtout, tu arrives et ils te font souffler dans un ballon qui te fait rire. Non, mais ça c'était. Non, ils te font aspirer, tu veux dire. Non, oui, voilà. Ouais, exactement. C'était l'époque où il y avait ces trucs-là qui tournaient. On te drogue. Mais quand tu arrives et tu trouves la soirée. Non, mais génial. Écoute-moi, ce qui est dingue pour moi, c'est qu'ils sont arrivés avant moi, d'accord? Qui? Je leur dis. Alès et Jarry. Donc moi, je leur dis, les gars, rendez-vous là-bas et tout, trop bien, trop bien. Vous inquiétez pas, c'est mes potes, ils vont vous accueillir et tout. J'arrive dans la boîte, tout le monde à fond, je dis, mais ils sont où, Alès et Jarry? Et je trouve deux personnes dans une table avec des ballons en train de dire, c'est génial! Waouh! Il faut que j'explique un truc, c'est que j'ai jamais touché à la drogue. Non, mais pour de vrai, je suis très naïve avec ça, et à part fumer des clubs de temps en temps. Et donc, en fait, forcément, le truc m'a fait 10 fois plus d'effet qu'à n'importe qui, quoi. Donc, et d'ailleurs, c'est complètement interdit à la loi maintenant, et c'était une époque où il y avait ces trucs-là. Oui, en plus, c'est hyper dangereux. Oui, c'est la crème pour faire la crème chantilly, là. Exactement, c'est les ballons hallucinogènes. C'est une saloperie, production d'azote. Voilà. C'est une saloperie. Qu'est-ce que vous faisiez la semaine dernière en Antarctique? Elle avait fumé ça.
ça c'est parce qu'on a une photo. Ça, c'est votre boss, c'est votre producteur que j'adore, qui s'appelle Régis, qui est en coulisses et qui vous balance tout ça. Pourquoi Ben moi, ma conception du voyage. Elle est où la photo? Ma conception du voyage. Oh, ah, c'est énorme. Ah, il va tout mettre. Ma conception du voyage, c'est pas le transat au bord de la plage, c'est donc rebelote, l'aventure. Et effectivement, j'avais envie d'aller voir le Cap Horn. Oui. Voilà, Ushuaïa, tout en bas. Mike Horn. Voilà. Non, le Cap. Et ça vous a fait quoi? Et c'est sublime, c'est extraordinaire. J'adore la mer, j'adore la voile. De me dire que j'étais à l'endroit où plus de 8000 navigateurs ont péri, de pouvoir monter sur ce rocher, de voir cet albatros magnifique qu'est la sculpture, tous les navigateurs comprendront. J'ai fait un voyage extraordinaire sur la mer et j'ai adoré, j'ai beaucoup vomi. C'est marrant, c'est moi, c'était super jusque-là. Ouais, je sais, c'est bien. C'est, oui, mais moi, c'est pas drôle. C'est une image qui vous a marqué cette semaine. Oui, moi, c'est pas pour nous mettre de bonne humeur, parce qu'en ce moment, en plus, il n'y a plein que des bonnes nouvelles dans le monde, mais je suis tombé sur cette image, c'est pas le Cap Horn, c'est en Alaska, et regarde, elle est extraordinairement belle et monstrueusement triste. Elle est horriblement triste. Bout de la banquise qui fout le camp et qui, avant de tomber, regarde, s'élève dans le ciel. Wow. Et alors, j'ai pu voir ça de près. Mais c'est tristement beau. Voilà. C'est tristement beau. Photocall pour vous. Quelles questions vous poseriez, Alessandra, comme vous connaissez l'émission, si vous étiez face à ces personnes-là que vous avez rencontrées dans votre vie d'une manière ou d'une autre? Lui d'abord, Jacques Chancel. Ah, que j'ai eu la chance de connaître intimement. D'accord. Et Dieu dans tout ça. Et Dieu dans tout ça, c'était sa question phare. Il termine toutes ses interviews comme ça. Nicolas Canteloup. À quand un retour sur scène? Nico Saliagas. Ça va, mon loup? Ah bah. Oh là là. Vous n'allez pas pleurer? Non, pas du tout. Non, mais c'est une pile Duracell. Il est incroyable. Il est juste dingue. Et quand on le connaît humainement, c'est quelqu'un d'incroyable. J'aurais pas de questions pour lui. François Hollande. C'est une pile Duracell. Non, mais cette photo n'est pas possible. Elle est terrible. Il y a peu de photos. La photo, c'est pas possible. Elle est pas incroyable. C'est vrai qu'il faut l'appeler pour qu'il demande à interdire cette photo. Ah non, bah oui. Monsieur le Président. Non, mais j'ai forcément une sorte de tendresse parce qu'effectivement, voilà, il a dû annoncer que sa mère était morte en direct. Sa mère était morte dans mon émission parce que je lui demande des nouvelles de sa mère, évidemment. Donc bon, ça, c'est... Voilà, si vous avez un petit coup de moins bien, allez-y. Allez regarder cette archive. C'est fou comme il a un truc attachant, finalement. Non, ben oui, hein. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on l'emmènerait pas au Boum Boum? Voilà. Est-ce que vous l'aimiez au Boum Boum? Pierre-Antoine Carton, justement, votre producteur sur C'est à vous. Ah, que la vie nous réunisse encore longtemps. Mais pas à la télé, parce que... Non, mais je vais pas poser que des questions, en vrai, on s'en fout, c'est pas grave, mais c'est juste que... Attends, tu changes pas les règles. Non, mais... C'est ça, le principe. Pour tout bon animateur ou bonne animatrice, je pense que c'est important d'avoir un bon producteur, et non seulement c'est un bon producteur, il est évidemment aujourd'hui à la tête de Media One, qui est une très très belle société, mais c'est avant tout mon ami, et je l'aime très très fort. Et si vous étiez en face d'Alessandra Sublet, vous lui poseriez quoi comme question? Ouais, ça, c'était drôle. À quand le prochain challenge? Vous en avez déjà marre du spectacle? Non. Non, non, mais j'ai des envies. Et vous savez ce que sera le prochain challenge? J'ai une petite idée. Mais vous savez, les idées, c'est d'abord dans la tête, ensuite on en parle et après on les accouche vraiment. Là, pour l'instant, elle est encore dans ma petite tête et c'est très bien comme ça. En attendant, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est l'un des soirs. Merci à Anne Bouvier, qui est ma metteuse en scène, qui est une metteuse en scène extraordinaire, qui a dit oui aussi à une jeune femme qui venait pas du même milieu qu'elle, qui a eu deux Molières dans sa vie et qui a beaucoup apporté au seul en scène. Voilà. Et à mon producteur, Jean-Marc Dumontet. Tous les risques n'auront pas la saveur du succès. Donc lundi soir au théâtre Antoine à Paris, et puis à partir de vendredi prochain, à la scène libre, toujours à Paris. Dans un instant, entretien exceptionnel avec Agnès Varamian. La grande reporter de France Télévisions a été la première journaliste occidentale à entrer à Gaza depuis les terribles attaques du 7 octobre. C'était ce mercredi, elle en a tiré un document exceptionnel, elle viendra nous en parler. Mais d'abord, cher Florent Manodou,
Vous êtes bien sage depuis le début. Je suis toujours sage, moi. Ouais. L'un de nos sportifs préférés, fierté nationale. Vous êtes l'un des plus grands champions de l'histoire de la natation. 4 médailles au JO, dont une d'or et 3 d'argent. Je ne vais pas faire tout votre palmarès, sinon on en a jusqu'à 4 heures du mat. Bah là, la photo est belle, en revanche. Mais pourtant, on me met tout le temps nu, quand même. C'est, bah en même temps, un toy boy, quoi. C'est un montage. Mais pourquoi, pourquoi, attends, mais pourquoi c'est un montage, c'est mon corps. Vous êtes en tenue de compétition. Ça marche pas. Non, ça marche. Si, en costume de travail. Le bas. Mais le c'est bas vrai que c'est une photo. On a envie de la voir en entier. Il a l'air tout tendu. Il est tendu. Je la montrerai, ça. En tout cas, le 3 août 2012, aux Jeux Olympiques de Londres, personne ne mise un copec sur vous et on n'a pas résisté à revoir cette finale du 50 mètres nage libre. C'était en direct sur France 2, évidemment. Florent Manoudou, bras tendu. Et Laure Manoudou qui encourage en mort. Florent Manoudou qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient, César Cielo derrière. Florent Manoudou peut-être pour aller plus loin. Allez, Florent. Allez, Florent. Florent Manoudou qui va. Incroyable. Coup de tonnerre. Elle est belle cette séquence. Manoudou est à l'or. Ça n'est pas Laure Manoudou, c'est Florent Manoudou. Vous ressentez quoi là ? Comment ? Vous ressentez quoi là ? À ce moment-là, qu'est-ce que vous ressentez ? Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir l'émotion que je donne à ma sœur en fait. C'est la chose qui m'émeut le plus. Et ce qui me fait rire aussi, c'est de voir l'ancienne ministre des Sports, Roxana, crier comme ça à l'antenne, avant qu'elle soit ministre. Mais j'ai très très peu de souvenirs de ça, parce que j'ai tellement revu cette course dans ce mode-là, que je crois que je me souviens de ce que j'ai vu, et pas forcément de ce que j'ai vécu. Et je trouve ça un petit peu dommage, mais c'est trop tard, quoi. Il faut que j'en refasse une année prochaine. Pas de souvenirs, pourquoi ? Bah parce qu'en fait, quand on a des émotions aussi fortes, aussi intenses, sur un temps très court, et vous allez tellement vite dans l'eau, c'est un truc délirant en fait. Ouais, et puis j'ai l'impression que il y a tout qui se mélange en fait, et j'ai tellement revu cette course que ouais, j'ai quelques fragments, mais au final, j'ai pas toute la course, j'ai pas tout l'avant, tout l'après, etc. Et c'est ça que vous voulez revivre l'été prochain à Paris pour les Jeux Olympiques. Ce sera certainement pas la même chose parce que j'ai eu une longue carrière, mais si je peux avoir ça avec le public français, ce serait bien. Et c'est extraordinaire ça que vous visez. Pardon. Ouais, allez-y, Christophe. Non, c'est extraordinaire que les deux Manoudou soit ces deux champions-là dans la même discipline. On n'est pas les seuls, hein. les frères Fourcade, les frères Hernandez au foot, il y en a eu plusieurs. Mais parce que vous parlez des frères Fourcade, ouais. Martin Fourcade, il parle de la compétition qu'il avait avec son frère. Non, il n'y a jamais eu cette compétition, c'est plus les gens qui nous mettaient en compétition de combien de médailles elle a fait, combien l'équipe qui adorait titrer ça, ça y est, il a enfin rejoint sa sœur au championnat d'Europe. Mais vous, jamais vous vous êtes senti en compétition? Ah, moi, je m'en fous, en fait, je fais mon bonhomme de chemin et j'essaie d'avoir des... Avec fierté quand même oui. Devant elle. Oui, bien sûr, mais pas plus elle que mon frère, par exemple. Ah, okay. Non. Voilà. Qui nage aussi ? Qui m'a coaché pendant 6 ans. Ah, ok. Ouais. L'objectif, c'est Paris. Vous dites que c'était inconcevable que je ne participe pas aux JO dans mon pays. Ça vient une fois tous les 100 ans, c'est maintenant, quoi. Je me souviens très bien de quand Paris était candidat en 2012. Et je me suis dit, ce serait génial, parce que je pourrais peut-être aller aux Jeux de Paris en 2012. Donc Londres a été choisi, c'est un petit peu triste, mais peut-être que j'aurais pas été champion olympique si c'était à Paris, donc du coup je remercie Londres. Mais sans Paris 2024, je serais pas ici, enfin je ne nagerais plus, parce que j'ai besoin aussi, comme Alessandra, de challenge, de changer, je trouve mais ça c'est ce assez que j'allais limitant, vous dire, c'est vraiment fini après les Jeux de Paris? Non, pas forcément. Mais tu fais déjà plein de choses à côté. Oui, j'ai besoin, parce que je trouve ça assez limitant en fait. Il y a un an et demi, j'étais dans mon lit avant une grande compétition, je me suis dit, demain je me réveille pour essayer de gagner quelques centièmes entre deux murs. Je trouve ça trop peu pour moi, ça ne me nourrit plus assez. J'ai réussi tous les challenges que je me suis donné dans ce sport-là. Les gens me voient très peu, mais ça fait 30 ans que je nage, donc je suis quasiment à la fin. C'est comme de... vous. C'est fou. Ouais, non, mais je sais long, qu'on a ça en commun, mais on s'aime bien. Et puis j'aime bien sa sœur aussi.
Et oui, il a le goût du challenge aussi. J'adore. Il peut aller partout. Il a fait sa sublée. Vous avez fait votre sublée quand, en 2016, vous êtes... Ouais. C'est devenu une expression, c'est comme ça. Il y en a une autre, une sublette. Hein. C'est les gaffes. Non, ouais, c'est vrai. Oui, mais regarde, le gars va là où on l'attend pas. C'est ça, c'est-à-dire qu'il était sur le toit du monde en natation. Mais oui. Et vous décidez de faire votre passion de gamin, qui était le handball, et vous inscrivez dans une équipe de 48e division, ou en tout cas pas du tout, et vous faites ça. Et ensuite... La natation vous manque, 3 ans après, vous revenez. Bah ouais. Bah en fait, je trouve ça très simple. Après, c'est juste que c'est très médiatisé, mais j'ai plein de potes qui faisaient un job et qui en ont eu marre et qui ont fait autre chose. Et il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'à partir du moment où on est médiatisé, les gens se disent, il est bon là-dedans, il est dans sa case. Si t'es bon, t'as fait premier, deuxième aux Jeux Olympiques. Il faut que tu restes là-dedans vraiment jusqu'à ce que tu meurs dedans et que tu sois très triste dedans. Vas-y. Ah non, vas-y, excusez-moi. Moi, je déteste ça, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie de faire mes propres choix. Si j'ai envie de faire du hand, je fais du hand. Si demain, j'ai envie de tout plaquer et de faire de la moto ou de passer la licence pour voler, parce que c'est peu sur ma to-do list aussi. J'ai envie d'avoir tous les permis. Vous voulez être pilote comme Alessandra? Non, pas forcément, mais c'est un challenge, quoi. Je me suis dit que j'allais avoir tous les permis, donc j'ai bateau, moto, voiture pour l'instant. Mais vous dites, entre une médaille d'or et une dépression, je choisis d'être heureux, je m'en fous la médaille d'or. Ah oui, si moi, demain, on me dit tu vas être champion olympique, mais tu seras déprimé pendant 3 ans après, je ne signe pas. C'est pas concevable pour moi. Vous allez juste une question. Ça freine pas la barbe? Si. Vous perdez. Si. Mais c'est pour ça que je me laisse une petite marge, mais on a, en fait, on se rase pour les grandes compétitions. Mais c'est plus mental, je dirais. Parce que c'est comme si on mettait notre armure. Quoi. On se rase, on passe une heure et demie dans la salle de bain, on se rase les jambes, le torse, etc. etc. C'est tout. J'ai une question technique. Quel était le temps qui vous a fait médaille d'or? 21-34. Ouais. Est-ce que dans la vraie vie, avant, officieusement, dans un bassin quelque part, est-ce que vous aviez déjà fait ce temps-là? Je me pose toujours la question, quand on fait un record du monde, un championnat du monde, une médaille olympique, est-ce que c'est vraiment la première fois pour celui qui le fait et qui gagne devant tout le monde, qu'il est champion et c'est sublime, ou est-ce qu'il a déjà fait ce putain de temps en privé et que, évidemment, personne ne l'a su puisque aucune homologation n'a eu lieu? Non, c'est... C'est une vraie question que je pose ou pas? Oui, non, c'est une vraie question. On me l'a rarement posée, donc j'apprécie. Généralement, la compétition, il se passe des choses assez animales, en fait. Je pense qu'on sécrète des choses chimiquement dans notre corps et on ne peut pas se mettre dans cette... n'arrive pas à l'entraînement. Non, c'est pas possible. Donc ma question, c'est non. Non, mais la réponse est non. C'est ça. D'accord. Mais je peux expliquer, je pense. Oui, que bien sûr. C'est comme quand on va à la guerre, je pense qu'on a une surmotivation, on a un instinct très protecteur, etc. Et quand on fait du sport, quand on est sur le plot de départ, il y a... C'est l'endomorphine, non? L'endorphine. Ouais. L'endochélicor. Ouais, ou l'endomorphine aussi. L'endomorphine, c'est autre chose. L'endomorphine, c'est... J'adore l'endomorphine. Mais c'est ça, mais c'est... C'est les deux. C'est carrément une drogue, en fait. Je suis revenu à la natation pour ça, parce que... c'est une drogue. Oui, c'est une drogue. J'avais besoin de sentir cette intensité-là. Je pense que toute ma vie, j'aurais besoin de ça. Dans mes relations humaines, c'est la même chose. C'est compliqué aussi, parfois. Mais, pourquoi? Parce que on comprend tellement ce que tu dis. Non, mais parce que c'est... La vitesse où il va. Non, mais enfin, pourquoi dans les relations humaines, c'est compliqué? Parce que je suis tout le temps en train d'exploser. Je vais avoir une passion, par exemple, pour la guitare. Je vais jouer 6 heures de la guitare par jour. Et puis, du jour au lendemain, je vais arrêter complètement. Et je vais parler. C'est dur de vivre avec vous, quoi. Je pense, ouais. Vous aussi, Alessandra. Non, mais oui, mais avec l'âge. Ensuite, je vais parler que de ça. Quel âge t'as, Flo? 33. Bah voilà. Non, mais j'ai 47. Après, on. Après, 33 on... ce soir, en plus. Ouais. Enfin, non. Dimanche, mais. Ouais. Bon anniversaire. Je ne sais pas si on a passé le cap déjà, mais. Si. Quelle heure? Dimanche. On devient plus sage. On devient plus sage. J'espère, mais... Combien d'heures d'entraînement par jour? Un petit peu moins qu'avant, je dirais entre 3 et 4. Mais dans l'eau? Ouais. Non, j'ai là, un tiers. Pour les JO, vous allez partir en... J'ai un tiers en salle, 2 tiers dans l'eau, à peu près. Pour les JO, vous allez partir en Australie, vous mettre au vert. Et là, vous allez... Comment ça va être une journée pour préparer les Jeux? Il n'y a aucune journée qui se ressemble. J'ai la chance d'avoir choisi mon staff autour de moi. Et ça, ce petit entraînement, c'est rien du tout. Ça, je vous le dis, ce petit entraînement, moi, je l'ai fait tout juillet. C'est que dalle. Tu l'as pas posté sur Instagram, par contre.
j'ai une assez longue carrière jusqu'à Tokyo. Je me suis dit, bon, maintenant, je veux faire mes propres choix. Je ne veux pas aller dans une structure qui me dit, tu vas faire comme ça, tu vas faire tel entraînement là, tel entraînement là. Donc, je me suis dit, je vais faire comme un tennisman. Je vais prendre le coach que je veux. La personne qui me coach, c'est une personne différente. Donc, la personne qui m'envoie les séances est différente de la personne qui est au bord du bassin. Mon prépa physique, c'est moi qui le choisis. Mon kiné, c'est moi qui le choisis. Si je veux partir 2 semaines là, je pars 2 semaines. Personne ne me dit non. Parce que j'ai envie de vivre pleinement mes 3 dernières saisons. Et je n'ai jamais été aussi heureux. Alors, je nage pas forcément plus vite. Mais par contre, le but de la vie, c'est pas forcément de nager vite. Enfin, au final, que je fasse 10e ou 1er au jeu, ma vie ne va pas changer grandement. Alors que si jamais je suis heureux et que du coup je ne tombe pas dans une dépression, parce qu'il y en a énormément, des Caleb Dressel, des Simone Biles, des sportifs qui tombent en dépression, surtout des sportifs olympiques, c'est mais je peux pas, triste. Je ne peux pas croire qu'avec le mode de pensée que tu as, tu ne vas pas un peu pour gagner quand même. Non mais si, évidemment que j'y vais pour gagner. Vous avez la gagne quand même. Ouais. Oui, oui, évidemment, sinon, évidemment. Ah oui, parce qu'on a ressenti la même chose. On a l'impression que c'est évidemment méga cool. C'est cool. Non, il est juste c'est parce qu'il a eu, c'est parce qu'il a eu aussi déjà le Graal quand même. Donc à partir du moment où on a le Graal une fois, la deuxième fois, c'est comme ça que vous c'est magique, mais ouais, c'est différent. Non, non, mais attendez, parce que moi, on m'a dit que vous aviez bouffé un hamburger la veille de JO de Londres, vous bouffiez à la cour. Bah attends, moi, je suis gaulé comme lui, je bouffe des hamburgers tous les jours. Oui, mais attends, c'est normal. Faut nager 6 heures. Ouais. Nager 6 heures par jour. Ouais, bah oui. Moi, j'en bouffe des hamburgers sans nager. Non, je pense que j'aurai une meilleure hygiène de vie quand j'aurai arrêté le sport. Ouais. Ouais. Parce que là, je peux me le permettre, mais j'ai toujours une hygiène de vie un peu différente des autres. C'est chiant parce que dès qu'il bouffe un truc, il est obligé de le coller sur sa veste après. La culture de la gagne, en tout cas, la confiance en vous, il en est question dans votre spectacle, Alexandra. La confiance en vous, vous l'avez depuis petit. On va regarder, vous avez 16 ans, image de France 3. Toujours sur France Télé, bah oui, vous croyez en votre bonne étoile. Le papa réuni autour de ses deux fils. Voilà Nicolas, 21 ans, l'entraîneur de son frère cadet, Florent, 16 ans. Florent, 5e de sa finale du 100 mètres d'eau, de la graine de champion, nous attendit au bord de l'eau. Moi, je fais partie des 10 meilleurs Français, quoi, de mon âge. Ouais, les nageurs, ouais. C'est prometteur tout ça, là. Ouais, tu as les traces de ta sœur? Non, j'espère. Il a une bonne bouille. Oui, une bonne bouille. C'est un maillot, une pièce. Oui. À l'époque, on avait le droit aux combinaisons. Puis après, elle s'est passée aux combinaisons qui étaient un peu en plastique, en polyuréthane. On va plus vite avec une combi. Ça t'interdit, glisse, aussi, non? Oui, parce que ça glisse mieux et surtout, ça compresse les muscles. Donc forcément, il y a moins de volume à déplacer. Mais les Jeux, là, quand Emmanuel Macron dit, il met une pression folle quand même sur les athlètes en disant on veut être dans le top 5 des médailles. Il peut faire ce qu'il veut, hein, ça ne changera pas. Oui, dire ce qu'il veut. Ça, c'est nouveau, c'est ça. Non, en fait, je vais me faire des ennemis, mais... Non, je crois pas. Non, mais t'inquiète. on n'est pas du tout un pays de sport. Enfin, il faut... Pourquoi vous dites ça? Vous dites souvent ça. Pourquoi vous dites ça? Ah, je suis pas d'accord. Par moi non plus. Aujourd'hui, je crois que le plus grand footballeur du monde, c'est un Français. Le plus grand basketteur du monde, c'est un Français. On a des très bons talents. Mais par contre, si tu vas dans les pays anglophones, quand tu vois les infrastructures qu'il y a... Dès l'école, ça, je suis d'accord avec toi. On n'a pas la ils ont réduit de 4, ils ont réduit de 4 ça, à 2 les heures de cours de PS. On ne peut pas dire, bah voilà, je veux être la meilleure nation en mettant les moyens comme ça. C'est pas possible. Moi, j'ai mon ancien colocataire qui est parti en Australie, qui, pour le même boulot, gagne 5 fois plus et qui entraîne un petit peu moins, enfin, qui entraîne des gens qui sont un peu moins talentueux. Donc, je ne vais pas vous demander si on va gagner des médailles Non, mais on va en gagner et certainement plus. Mais on a mis des choses en place il y a 2 ans. Pour préparer des Jeux Olympiques, il faut mettre 8 ans, 12 ans en avance. Moi, j'ai vu les Anglais le faire en 2012. Ils ont mis énormément de choses aux alentours de 2009-2010. Et ils ont explosé en 2016-2020. Vous voulez dire qu'on est en retard? En retard, non, on verra. Mais on ne peut pas, juste parce qu'on a mis des choses en place sur les 2 dernières années, doubler le nombre de médailles. Ce n'est pas possible. En tout cas, vous avez été désigné capitaine du relais de la flamme olympique. Ouais. Il y en a 4, je crois. Ouais. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous allez suivre, il y a 10 000 porteurs de la flamme olympique. Je vais tous les suivre. Non. Tout au long, non. Mais ça vous fait quoi de porter la flamme olympique? C'est quoi les sensations? Je sais pas, je l'ai pas encore fait. Ouais. Mais vous attendez quoi de ces jeux? En gros. En fait, j'ai vécu énormément de choses dans le sport. J'ai été champion olympique, champion du monde, champion d'Europe, j'ai battu des records du monde. Et il y a 2-3 choses que j'ai pas fait. Porter la flamme, c'est un honneur. J'aimerais beaucoup être porte-drapeau aussi. Oui, ça, vous le dites. Vous candidatez pour être porte-drapeau. Oui, après, je ne vais pas faire... Je vais faire les deux? Je ne sais pas. Mais pas en même temps. Je suis grand, quand même. Hein, je peux oui, faire. Oui, oui. En fait,
ça peut parfois être pris pour de l'arrogance, mais c'est juste que j'ai envie de le faire, donc je le dis, j'ai envie de le faire, c'est tout. Mais c'est ça qui est bien. C'est très simple. C'est pas de l'arrogance. Non, mais c'est pas toi qui allais dire que c'était de l'arrogance, Alessandre. mais je trouve ça. On est en France quand même, donc des fois c'est. C'est chouette de dire en fait ce qu'on pense. Moi, je trouve ça chouette que vous deux, notamment, vous disiez les choses sans tortiller du cul, si vous me permettez l'expression. Bah, vous êtes en train de faire pareil, c'est très bien d'ailleurs, tant mieux. Non, moi je dis les choses que vous. Sur les jeux qui est moins enthousiaste qu'avant. Ah, on vibre quand même quand c'est nos athlètes qui sont là. Moi, j'adore. Quoi. J'allume ma télé, je suis hyper fière d'être française. J'ai hyper envie que vous gagniez. On est à fond derrière vous. Je crois que justement, tu l'as dit, le sport, c'est un des rares endroits où tout le monde se retrouve. Quoi. Tu regardes la lutte ? Je regarde ce que tu veux, tant que c'est des Français. Mais oui. Et c'est vrai, je suis très chauvine. Non, mais vraiment, je suis très, très chauvine. Et chaque année, il y a des athlètes qui explosent. Et la chance, quand pour le coup, tu as une émission de télé comme ça, c'est de pouvoir recevoir ces athlètes, en fait. Bah oui, et nous, on reçoit souvent des sportifs. Je crois qu'à l'époque, on est très contents de vous recevoir. Et on sera derrière vous. Et on va vous suivre de savoir des jeux. La France les attend. On attend ça avec vous. Dans un instant, Philippe Cabrivière, qui est avec son équipe et qui finit de se préparer, qui va essayer de nous faire marrer avec cette actualité qui n'est pas forcément très, très marrante. Mais d'abord, on reçoit justement la femme de la semaine. Elle est la première journaliste occidentale à être entrée dans Gaza depuis le 7 octobre. C'était ce mercredi. Elle en a ramené un document exceptionnel. L'une des plus grandes reporters de notre métier, un visage de France Télévisions qui connaît le Proche-Orient comme personne. Mesdames, messieurs, Agnès Varamian, dans quelle époque ? Merci d'être avec nous. Vous êtes la correspondante permanente de France Télé au Moyen-Orient depuis 2 ans, mais vous connaissez la région par cœur depuis des années. Vous l'avez sillonnée à droite, à gauche. Avant, vous étiez la correspondante de France Télé à Washington pendant plusieurs années. Avant encore, vous avez été la grande patronne du 20h, du temps de David Pujadas. C'était vous, la red-chef du 20h. Et on vous reçoit ce soir parce qu'effectivement, après les terribles attaques du 7 octobre, les plus meurtrières depuis la création de l'État d'Israël, et après des semaines de bombardements sur Gaza, Gaza qui était impénétrable par les journalistes étrangers, totalement fermé, eh bien vous avez été la toute première journaliste occidentale à être autorisée à entrer dans la bande de Gaza. C'était il y a 3 jours, c'était mercredi. Je voulais d'abord vous demander qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pénétré à l'intérieur de Gaza. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ? Ce qui marquait le plus, c'est... au moment où, dans le blindé, je suis passée exactement au même endroit où les terroristes étaient passés, eux, dans l'autre sens, le 7 octobre. Et j'ai regardé par la petite lucarne, je guettais ce moment où j'ai vu la barrière de sécurité qui avait été enfoncée par les miliciens du Hamas. Et nous, on rentrait dans cet autre sens, à l'intérieur. Et j'ai pensé aux soldats israéliens qui l'avaient fait, parce que, évidemment... Il n'avait pas prévu de revenir à Gaza dans ces circonstances. Et puis, que l'armée israélienne était sortie de Gaza depuis années avant d'y re-rentrer pour la guerre. Là. Et puis j'ai pensé aux Gazaouis, parce que je savais que je n'allais pas aller très très loin dans la bande de Gaza et que je savais que devant moi, il y avait des milliers de civils qui souffraient. Et puis j'avais aussi très envie de savoir ce que j'allais voir en sortant du blindé. Quoi. Et qu'est-ce que vous avez vu ? Des destructions. Vous savez, on en parle, on les voit à la télé, mais quand on arrive devant, j'ai l'habitude, mais à chaque fois, c'est quand même quelque chose de stupéfiant. C'est Dresde, à cet endroit-là. C'est Dresde, c'est la ville allemande. La ville allemande qui a été détruite, voilà, et entièrement détruite. Et là, ce que vous voyez, c'est Betanoun, c'est la première localité juste après la barrière, c'est à la frontière avec Israël. Elle a été complètement détruite très vite, en fait. Bombardé très vite parce que c'était un endroit extrêmement stratégique pour le Hamas, parce que c'est le plus près d'Israël, donc c'est de là qu'il tirait beaucoup, beaucoup de roquettes. Et il n'y en reste rien. On va regarder un extrait de votre reportage. C'est quelques heures que vous avez passées à Gaza. Par une minuscule ouverture, nous apercevons la barrière de sécurité qui sépare Israël de Gaza. Nous sommes en train d'entrer dans Gaza. Et nous prenons exactement le même chemin que les terroristes ont pris pour venir en Israël le 7 octobre dernier. Nous arrivons à Betanoun, la ville la plus proche d'Israël. Ce qui marque, c'est l'ampleur des destructions.
et les bruits d'explosion. Faut pas rester en fait à découvert à chaque fois. Un soldat est là pour nous le rappeler. Eh bien voilà, le voyage, entre guillemets, à l'intérieur de Beit Hanoun se termine ici. On n'ira pas plus loin. L'armée israélienne est déjà dans Gazaville, mais c'est à peu près à une dizaine de kilomètres. Voilà, c'est l'extrait du reportage que vous avez diffusé dans le 20h d'Anne-Sophie Lapix ce mercredi. Antonio Guterres, le patron de l'ONU, dit qu'en ce moment à Gaza, il a eu des mots très forts, il dit le cauchemar à Gaza, c'est plus qu'une crise humanitaire, c'est une crise de l'humanité qui est en train de se passer. Et celui qui s'occupe des réfugiés palestiniens, qui est un Suisse, qui s'appelle Philippe Lazzarini, dit « Je suis allé à Gaza la semaine dernière et c'est le jour le plus triste que j'ai vécu de toute ma carrière ». Bah, vous savez, Gaza, c'est un trou noir aujourd'hui. On a, nous, les journalistes, on ne peut pas y accéder. Enfin, les journalistes occidentaux, il y a des journalistes palestiniens qui travaillent très courageusement, d'ailleurs. Moi, je suis en contact avec les gens de Gaza parce qu'en étant en Israël, vous savez, on a eu l'habitude de travailler avec des fixeurs, ce qu'on appelle des fixeurs, hein, qui sont un peu nos yeux, nos oreilles. Ils me racontent. Il y a une situation un peu différente au sud et au nord. Au nord, c'est le cataclysme. Mais l'armée israélienne avait prévenu, il faut partir, on va... Maintenant, si on voit quelqu'un dans la rue, on tire. Ils tirent sans sommation. Hein. Donc, et ils font ce qu'ils disent. Je peux vous dire qu'ils font ce qu'ils disent. Donc, au sud, la situation est dramatique humanitairement, parce que les gens affluent, ils ne savent pas où, on ne sait pas où les mettre, il n'y a pas beaucoup à manger, il n'y a pas beaucoup d'eau, et ils sont pris au piège, terrifiés par les bombardements israéliens, mais aussi, et c'est une réalité qu'on ne dit pas beaucoup, mais ils ont peur aussi du Hamas. Et c'est un peu aussi, en termes d'information, un trou noir, parce que vous voyez sur les reportages que vous ne voyez jamais les miliciens du Hamas. On ne peut pas les filmer. Et moi, quand je demande à nos gens qui sont sur place, vous ne pouvez pas aller demander, questionner, ne serait-ce que... On ne peut pas aller voir les gens du Hamas. Ah non, Agnès, on ne peut pas les filmer. Mais tu ne peux pas demander aux habitants ce qu'ils pensent du Hamas, est-ce qu'ils le soutiennent, est-ce qu'ils pensent que c'est eux qui les ont mis aussi en partie dans cette situation, et me disent, tu n'y penses pas. Ils sont partout, ils ont des yeux, des oreilles. Ils ont peur aussi du Hamas. Bien sûr. J'ai vu une image Bonsoir. J'ai vu une image sur les réseaux sociaux où un journaliste palestinien faisait un compte-rendu, je crois que c'était pour Al Jazeera, et derrière lui, il y a un Palestinien qui est passé et qui a dit des mots très durs à propos du Hamas en disant qu'il haïssait le Hamas et qu'il espérait que le Hamas tombe et que Dieu les protégerait, etc. Et il l'a fait et il y avait des commentaires du genre « il ne va pas vivre longtemps ». Moi, je ne sais pas, je ne suis pas sur place, mais c'est vrai que c'est très ambivalent et que malheureusement, on ne peut pas témoigner de cette réalité-là. Voilà. Et les journalistes palestiniens qui sont sur place ne le font pas non plus. Oui. Et là, on va voir des images. On est au sud de la bande de Gaza, dans un camp. Des images que vous avez commentées, puisque c'est des images qui vous sont fournies. Oui. Vous ne pouvez pas les tourner. Non, mais je suis restée au téléphone avec le journaliste qui a filmé. Pour vérifier les choses, pour vraiment vérifier que ce que vous dites est juste, parce que c'est aussi une guerre des images, c'est une guerre de propagande aussi, plus que jamais dans cette guerre-là. Et là, on est dans un camp où des milliers d'enfants sont réfugiés sous des tentes, et on regarde. Près du camp, un centre médical. Le Hamas laisse filmer notre équipe, mais dans cette seule chambre. Immobile, sous une couverture, Amira, 14 ans. Elle vient d'être opérée du dos. J'étais sous les décombres. Je pensais que j'allais pas en sortir. J'avais des pierres et des débris qui me recouvraient. Je ne pouvais plus respirer, mais grâce à Dieu, des secouristes sont venus et j'ai pu m'en sortir. Farah, sa voisine, blessée à la jambe. Elle ne se souvient de rien. Moi, je veux rester en vie. Je veux retourner à l'école et je veux jouer. Et voilà. Elles sont très fortes, vos images. Le secrétaire général de l'ONU dit aussi que Gaza est en train de devenir un cimetière pour les enfants. Ah oui, là, c'est terrible. Moi, je vous avoue que bon, je suis assez quand même... j'ai une carapace un peu. Vous êtes endurcie, vous avez couvert de nombreux terrains de guerre, oui. Agnès Varamian. Mais vendredi dernier, ça faisait, je crois, un peu plus de 35 jours que je travaillais. Et j'ai dit, je ne peux plus, parce que je recevais beaucoup, vous savez, d'images sur les WhatsApp. Il y a beaucoup de sources à Gaza qui nous envoient des images, etc. Et parfois, sans nous prévenir que les images sont très difficiles, donc on les ouvre. Et puis, tout ce qu'on a vécu émotionnellement aussi, même si mon cerveau reptilien, heureusement, marche très bien, donc il est beaucoup centré sur les tâches que je dois réaliser et la mission que je dois accomplir en tant que reporter, hein, très modestement. Mais là, c'était trop. C'était... Mais comment vous faites pour être blindée parce que vous êtes aussi une femme, vous êtes aussi une mère.
Parce que comment vous vous blindez, en fait? Vous dites, vous avez une phrase, Agnès Van Ramon, vous dites, je tourne la tête quand je vois des morts. Ah oui, moi, je ne regarde pas. Pas du tout. Moi, je veux pas, je regarde pas. Et j'incite mon équipe, Soufiane et Yacine, qui est un peu mon complice d'aventure, avec qui je passe beaucoup de temps. Je lui dis, surtout, ne regarde pas. Tourne la tête. C'est pas la peine. Les corps, les morts, surtout quand il s'agit de jeunes enfants, non. Mais aussi parce que dans cet océan, il y a toujours de l'humanité. Moi, j'ai beaucoup d'énergie, j'essaye de connecter avec les gens très vite. J'ai cette capacité aussi à très vite capter leur attention, leur histoire. J'aime les regarder, j'aime les entendre, les écouter. Et on est aussi là pour modestement essayer de retransmettre de manière la plus juste possible ce qu'ils vivent. Et il y a des histoires qui vous hantent plus que d'autres. Parce que c'est vrai que ça fait un mois maintenant que les horreurs venant de cette région sont apocalyptiques. On va parler du 7 octobre aussi, ce qui s'est passé en Israël. Et c'est d'ailleurs une mère israélienne dont l'un des enfants a été pris en otage qui hurle à l'entrée d'un hôpital « Rendez-moi mon enfant ». Vous dites, cette image-là, elle me hante depuis un mois. Oui, parce que, vous savez, le 7 octobre, moi, j'atterrissais en Israël, où j'habite. J'habite à Jérusalem. Vous étiez juste allé faire, voilà, vous aviez fait un reportage en Arménie, voilà, au Karabakh. Resté 10 jours à voir l'exode des Arméniens. Je rentre et hop, tout se déclenche au moment de mon arrivée à l'aéroport. Et donc, j'ai commencé à travailler tout de suite. Et j'ai compris tout de suite que ça n'allait pas être comme d'habitude. Et ce 7 octobre... La première chose que je vois, je suis à l'hôpital et je vois arriver des blessés, des morts, des familles qui comprennent tout de suite que leurs proches ont disparu, etc. Et ça, c'est dur de vivre la douleur qui exulte comme ça, alors que bon, nous, on est là, piqués, qu'on va faire notre direct dans 30 secondes. Et puis ensuite, il y a eu... Et là, vous comprenez tout de suite, dans les premières minutes, que le conflit israélo-palestinien dure depuis 70 ans, mais là, il se passe quelque chose de différent dans l'ampleur, dans la violence, dans la barbarie de ce qui s'est passé le 7 octobre. En voyant les premières images des miliciens du Hamas qui ont franchi la barrière et qui se précipitent sur les kibboutz, moi, je sais que ça va être un carnage. On le sait, je sais. Ça va être un carnage en retour ou celui-là ? Non, celui-là, on parle du 7 octobre. Le 7 octobre, on n'imagine pas encore ce qui va se passer, la réplique israélienne. Mais là, ce qui s'est passé ce 7 octobre... On n'imaginait même pas ce qui s'est passé non plus là. Invraisemblable. Ouais. C'est invraisemblable. Et c'est... justement, vous êtes une des premières, parce qu'à chaque fois, vous arrivez tout le temps à être sur le coup, et c'est comme ça, c'est aussi ça, être un journaliste de terrain. Vous êtes une des premières à rentrer sur les lieux de la rave party, à l'endroit précis où 270 Israéliens vont être massacrés par le Hamas. On est quelques heures après le massacre, et vous rentrez. C'est la route principale vers le sud, celle qui mène au lieu le plus meurtrier, le plus symbolique des attaques terroristes, mais aucun civil ne passe. Nous, on essaie de faire notre travail, c'est de couvrir... Je sais, aucun problème. Nous prenons les chemins à travers champs. Croisons des dizaines de chars qui se déploient autour de Gaza. Et puis, nous arrivons devant un cimetière de voitures. Et un immense carambolage de ceux qui ont voulu fuir. C'était le parking de la rave party. Ouais, c'est le... Comment vous faites? Comment vous faites quand vous voyez ça et que vous devez couvrir et que vous devez rester journaliste? J'arrive sur les lieux et en fait, je vois les effets personnels de ceux qui sont morts. Je vois toutes les traces de la joie de ce festival de musique. Et j'imagine, je me dis, ils ont été donc surpris en pleine fête. C'était à l'aube, au petit matin. Et j'essaye d'imaginer de... Des jeunes, et en plus c'était la jeunesse, surtout la plus ouverte, celle qui souhaitait, la jeunesse de gauche, la jeunesse de Tel Aviv, celle qui avait encore l'espoir de la paix avec les Palestiniens. Et c'est ça qui est aussi très grave dans cette tragédie. Mais parce que Israël, vous savez, a été marqué, mais on peut pas imaginer à quel point. C'est pas en 11 septembre, c'est pire. Ils sont en colère contre leur gouvernement, ils sont en colère contre leur armée, ils sont furieux évidemment contre le Hamas. On a touché à quelque chose là qui fait que c'est leur existence même qui est complètement remise en question. Et c'est pour ça aussi que la réplique est aussi violente. Et aujourd'hui, vous pensez qu'il y a quelqu'un qui voit une solution, une lumière au bout du tunnel ou impossible là aujourd'hui? Non, pour l'instant c'est le temps de la guerre.
Et la guerre, elle va durer encore. Et ça va durer. Atroce, et les atrocités vont continuer. Ils sont très déterminés à éradiquer le Hamas. Après, et puis il y a ces otages. Vous savez, moi, je suis venue ce matin pour vous voir ici. J'ai traversé l'aéroport de Jérusalem avec 240 petits portraits devant lesquels je suis passée chacun d'eux. C'est terrifiant, un bébé de 9 mois. Que les gens arrachent à travers le monde parce qu'ils ne croient pas. Je voudrais vous montrer, je ne sais pas si vous les avez vus, parce que c'est vrai que vous rentrez depuis quelques heures, mais il y a aussi ces images qui se sont passées cette semaine aux États-Unis, en France, où on a vu des gens dans la rue arracher les portraits de ces otages. Ça, c'était à Paris, notamment. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ça? Là, c'est à la citoyenne que je parle, je ne demande pas un avis. Oui, moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ces gens n'ont rien fait. Ils sont otages. Ils ont été capturés au petit matin, chez eux, des femmes, des enfants, des vieillards. Pourquoi? Vous savez, moi, je vis en Israël. Je connais beaucoup de Palestiniens. Je connais beaucoup d'Arabes, je connais beaucoup de chrétiens, je connais beaucoup de juifs. Je vis au milieu d'eux. Moi, je ne perds pas espoir parce que je sais que là-bas, il y a des gens qui ne perdent pas espoir. Donc, vous y croyez vraiment encore? Oui, moi, je pense que... Il y a toujours eu, il y a eu des moments dans l'histoire où il y a eu autant de violence qu'il y en a aujourd'hui entre Israéliens et Palestiniens. Attention. Donc... Et puis, il y a l'importation du conflit en France. Et notamment en France, parce que c'est la plus grande communauté juive et la plus grande communauté musulmane d'Europe. Les actes antisémites ont explosé depuis un mois. Il y en a eu plus de 1000. C'est plus en un mois que toute l'année dernière. Évidemment, je suis obligée de parler de ce qui se passe. Aujourd'hui, ce dimanche, il y a la grande marche contre l'antisémitisme. Vous pensez qu'elle est importante, cette marche? Et je voudrais vous entendre, Kev, sur ça aussi. Moi, je pense qu'elle est importante parce que il ne faut pas confondre la critique d'Israël, de son gouvernement, et l'antisémitisme. C'est deux choses... on a le droit. Les Israéliens sont les premiers, les plus critiques vis-à-vis de leur gouvernement. C'est encore une démocratie, Israël. Donc, on a le droit. On a le droit d'émettre une opinion sur ce que fait l'armée israélienne à Gaza. On a le droit de dire qu'on n'aime pas Netanyahou, etc. Mais être antisémite, c'est autre chose. Et je pense qu'il y a beaucoup de confusion chez les gens. Il y a un retour des années noires. Kev Adams. C'est très, très dur pour moi d'en parler parce que ça m'émeut beaucoup. J'ai évidemment déjà été en Israël. J'ai tourné un film là-bas il y a quelques années. Et l'équipe était composée de moitié d'Israéliens, moitié de Palestiniens qui travaillaient ensemble, qui étaient très heureux de travailler ensemble et qui, tous les jours sur le plateau de tournage, m'ont appris que la paix était possible et qu'il y avait un espoir. Ils m'ont donné de l'espoir, sincèrement. Ça me bouleverse de voir ces images. Ça me bouleverse, évidemment. J'ai été terrifié, horrifié le 7 octobre. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que c'était un attentat terroriste, parce qu'il y a encore aujourd'hui plus de 200 otages qui sont retenus là-bas, dont des Français. Ça me surprend d'ailleurs de voir le traitement qu'on fait des otages français là-bas, un peu passé sous silence, alors qu'à l'époque, je me rappelle quand j'étais plus petit, d'Ingrid Betancourt par exemple, on rappelait qu'Ingrid Betancourt était retenue là-bas, qu'elle était française. Aujourd'hui, on passe ces gens-là sous silence et évidemment je pleure aussi pour les enfants palestiniens innocents qui meurent, qui ne méritent rien, qui n'ont jamais demandé cette guerre puisque ce sont par essence des enfants, des femmes et beaucoup de civils. Donc forcément c'est une guerre qui me bouleverse et très vite, le 7 octobre, j'ai compris que ce conflit allait s'importer en France, comme il a toujours été. Vous savez, quand j'avais 8 ans à l'école, j'ai entendu mon premier sale juif, et j'ai compris que ça venait de là. J'ai compris que ça venait de ce conflit. C'est comme ça. On ne choisit pas sa religion, mais je suis pour le vivre ensemble. J'ai jamais d'ailleurs affirmé publiquement ma judaïté, parce que j'estime que je fais rire tout le monde. Je suis là pour faire rire tout le monde. Le rire est accessible à tous, pour tout le monde, peu importe la religion, peu importe la couleur de peau, peu importe l'orientation sexuelle. On est là justement pour réunir et pas pour diviser. Mais forcément, je suis obligé d'être touché quand je vois ce qui se passe depuis quelques semaines. Ce conflit qui a lieu là-bas nous bouleverse. Par contre, ce qui se passe en France aujourd'hui est absolument terrifiant. Terrifiant de voir cette division. Je vois aussi chez mes amis musulmans, parfois, presque de la crainte comme je n'avais jamais vu avant. Et puis chez mes amis juifs aussi. Et puis, je reçois des messages absolument abominables sur les réseaux sociaux. Mais des deux côtés, je reçois des messages de gens qui me disent « Tu n'as pas honte de ne pas soutenir la Palestine alors que tout le monde devrait le faire ». Et je reçois aussi des messages de gens de la communauté juive qui me disent « Mais tu n'as pas honte de pas affirmer ta judaïté et de nous défendre comme tu devrais le faire en tant qu'homme public. » Qu'est-ce que vous voulez faire face à ce genre de messages, face à cette violence que je reçois quotidiennement? Je ne vais pas m'en plaindre, je parle très peu de ce conflit, je partage ce qui me touche. La marche de demain est essentielle.
On est obligé, et j'espère sincèrement qu'à cette marche, il n'y aura pas que des Juifs. Ça n'a absolument rien à voir avec le conflit israélo-palestinien. Non. Il faut réussir à mettre ça de côté. Et Dieu sait que c'est dur. Je comprends que pour les gens, ce soit dur. Mais à un moment donné, on ne peut pas tout confondre. Il y a tous les jours en ce moment des attaques antisémites en France. Plus de 1000, c'est l'équivalent de toute l'année dernière en 3 semaines. Et c'est uniquement parce que c'est des Juifs. Il y a un moment où on a déjà vécu des heures sombres dans l'histoire. Je suis contre toute forme de racisme. Une des premières scènes que j'ai fait en 2012, c'était Rire ensemble contre le racisme. Je me bats constamment contre le racisme en tout genre. J'ai même pas envie de dire antisémitisme, j'ai envie de dire racisme en tout genre. On ne peut plus, à notre époque, agresser des gens parce qu'ils sont ce qu'ils n'ont jamais demandé d'être, parce qu'ils ont des croyances différentes des nôtres. C'est plus possible, ça me révolte, ça me rend triste. Il faut qu'il y ait du monde ce dimanche. Il faut qu'il y ait du monde, mais surtout, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait des chrétiens, des musulmans, des juifs. Il faut qu'ensemble, en tant que Français, on dise on est bouleversé par ce conflit, mais pas chez nous, putain, pas chez nous. Surtout que ce qu'il faut dire, c'est que les Français d'origine juive ne sont pas responsables de ce qui se passe là-bas. C'est deux choses très différentes. Ils sont Français d'origine juive, leur histoire est là, ils sont attachés à Israël. Bien sûr, évidemment, c'est leur pays de cœur. Parfois, ils sont même, ils ont la double nationalité. Mais vous l'avez très bien dit, il y a beaucoup de juifs qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement israélien. Et parfois, ils condamnent même les frappes actuelles. Et bien sûr, et par contre, vous demandiez tout à l'heure, Léa, pourquoi ces gens arrachent les affiches. Mais c'est juste un acte antisémite. Il y a un moment donné, il faut le dire. Venir évidemment, sur les réseaux. Il y en a partout, mais sur les réseaux, d'ailleurs, la plupart des gens à qui on demande pourquoi vous arrachez ces affiches, ils ne savent même pas pourquoi ils arrachent ces affiches. Alors, ils vous répondent parce qu'Israël est en train de bombarder Gaza. Mais quel rapport ? Aucun rapport. C'est une personne innocente qui a été enlevée. C'est l'amalgame. Et qui aujourd'hui est maintenue par des terroristes, exactement comme les terroristes qui sont venus chez nous le 13 novembre. Ça me rend fou de voir ça, en fait. C'est-à-dire que les gens ont du mal à comprendre que des juifs, par exemple, puissent être totalement opposés au bombardement sur les civils de Gaza et être totalement du côté des Israéliens à propos de l'acte terroriste épouvantable du 7 octobre. Les gens ne font pas la part des choses. Il y a un amalgame des deux côtés, d'ailleurs. Et pour finir avec un sourire, parce qu'on a le droit de finir avec un sourire, vous m'avez autorisé à le dire, donc je vais le dire. Vous avez même rencontré l'amour sur le terrain, oui. Agnès Varamian. Oui. Là. Ouais, là. C'était en Ukraine. Bah, c'était il y a quelques mois. Très belle histoire, oui. Très belle histoire d'amour. Et avec un... Le, non, mais fixeur, moi, j'adore ça, moi. Avec mon fixeur et traducteur, okay. Qui s'appelle Pavlo, qui est J'imagine, il s'appelle Zelensky, peut-être que vous connaissez. Non, j'ai eu la chance d'interviewer le président Zelensky. Mais, et j'ai aussi la chance de tomber amoureuse de Pablo, qui est un homme merveilleux. Ah, mais c'est génial. Il montre aussi. Mais non, mais c'est génial. Non, mais vous voyez, voilà, la vie, c'est ça. Mais dans la guerre, il y a des bulles d'amour et on a construit ensemble un univers pour beaucoup se protéger des bombardements, des histoires terribles. On se racontait des histoires le soir et c'était merveilleux. On s'est beaucoup protégé l'un l'autre. On a pris énormément de risques ensemble. Oui, et maintenant, il est soldat. Il est soldat. Et vous êtes journaliste. Et je suis journaliste. Et je vous remercie, Agnès. C'est moi. Allez, on parle d'amour. On va accueillir le meilleur expert politologue de France, Philippe Cavrivière. Bien, mon Philippe. Qui choisit l'ordre des sujets ? Pourquoi vous, merci, pourquoi vous me faites toujours passer après le drame ? Voilà. Vous ne m'avez pas chauffé la salle. Hein ? Non, pas ce soir. Quand je vois que Kev est à deux doigts de pleurer et que moi je passe derrière, qu'un des mecs les plus marrants de France chiale et qu'on me dit après, hop, c'est à toi. Allez, va le faire marrer maintenant. J'ai moyen, hein ? Mais j'ai pleuré parce qu'elle m'a dit que t'arrivais. Ah, c'est ça. Que j'adore Philippe Cavrivière. Oui, mais on est tous tu là. Tu l'as pas dit déjà ? Non, je l'avais pas dit, c'est pour ça que j'attendais que tu rentres sur ce plateau. Oui, alors en plus, non, enfin moi d'habitude je fais une chronique, mais les choses ont un peu changé. Je ne fais que passer, je passe en coup de vent, parce que depuis une semaine,
Bon, j'ai mon émission, donc... non, voilà. Je sais que c'est dur pour Léa que je sois votre auteur, que je sois animateur vedette comme vous. On est d'égal à égal. Ne le prenez pas mal. J'ai plus que ça à foutre de faire le con ici. Donc, C'est vrai que vous avez votre nouvelle émission en bande organisée avec Alex Biroc. Ouais. Mais j'ai envie de vous dire, pour combien de temps? Non. Bien, vous mettez le doigt sur la précarité des émissions et vous savez que j'avais pas. Eh bien, j'ai envie de vous dire, vous m'avez convaincu, je reste. Voilà, je reste. Allez, je repars tout en bas sur l'échelle de la télévision. Chroniqueur, c'est parti. Très belle émission la semaine dernière. Alors, je vais vous surprendre, j'ai regardé, j'ai trouvé formidable la semaine dernière. La semaine dernière, c'était rythmé, c'était varié. Ouais. Vraiment, c'était tout ce que j'aime. C'était un best-of. Ah, vous voyez, ça, c'est une bonne idée. On devrait faire des best-of toutes les semaines. On éviterait, tu vois, de perdre en qualité. Alors, j'aimerais revenir sur l'émission d'il y a 15 jours. Tout le monde a regardé, bien sûr. Une émission avec un casting grand écart, puisqu'on recevait le très sympathique cardinal François Bustillot, et qui on a mis Léa Nekevis, qui on a mis tout à côté, la lumineuse Clara Morgan. Et si vous regardez bien l'image, François est vraiment très content. Et très content, limite. Trop content. On a vu le moment où il disait oh et puis merde, toutes ces conneries finalement. Alors non, c'est vrai qu'on était entre le jour du Seigneur et le journal du Hard. C'est un peu le jour du Seigneur du Hard. Hein. Je propose des émissions après Delphine Ernotte, elle fait le tri, voilà. Exactement. En tout cas, avoir l'œil de Bruno Solo et de Nagui. Il connaissait mieux l'œuvre de Clara que les sermons du père François. Elle est tout contente. Voilà. Passons à l'actualité, mon cher Philippe. Demain a lieu la marche contre l'antisémitisme. Oui. On en parlait, le Rassemblement national y participera et le parti se présente même comme le meilleur bouclier contre la haine des Juifs. Oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est la nouvelle musique d'entrée des meetings de Marine Le Pen. Elle arrive là-dessus, elle fait comme Valérie Le Mercier, Alors, moi, je peux vous le dire parce que j'étais à son meeting la semaine dernière. C'était formidable. Il y avait une ambiance formidable. Je vous le conseille. Alors, est-ce qu'on croit le RN quand ils disent qu'ils sont plus antisémites? Moi, je crois en l'autre. J'ai envie de les croire. Mais bon, c'est vrai que pour l'instant, bon, on veut des preuves. C'est un peu comme si Gérard Depardieu arrivait et disait... J'arrête de boire. Voilà. Je mange des brocolis, je fais de la cogime tous les jours. On dirait, écoute mon Gégé, t'es peut-être sur la bonne voie, c'est bien, mais on a besoin de voir un peu plus. On veut des preuves concrètes. Voilà. Donc voilà, le RN et Depardieu, même crédibilité. C'est vrai que le RN qui va marcher contre l'antisémitisme, c'est un sacré retournement de veste. Il paraît que même Arturo Brachetti a dit « Chapeau, j'en fais, mais là, très fort. » Et mon conseil, alors demain, si vous êtes antisémite et que vous voulez quand même aller à la manif à 15h, ce que vous faites, faites-la en moonwalk. Faites-la, voilà, comme ça, c'est plus honnête. On pourra vous repérer. Actualité politico-juridique cette semaine, Éric Dupond-Moretti est jugé pour prise illégale d'intérêt et François Bayrou pour complicité de détournement de fonds publics. Oui, beau gosse François. On a ramé pour trouver une photo beau gosse de François. À son arrivée devant le tribunal, le ministre avocat comédien Éric Dupond-Moretti a déclaré « Ce procès est une infamie, madame ». Et alors, parce qu'en fait, quelle indignité, c'était déjà pris, donc il a trouvé sa formule à lui. Alors, Éric, mon Éric, il encourt 5 ans de prison et 500 000 euros d'amende. Alors, la prison, c'est emmerdant. 500 000, il vend 2 montres. Alors, il va vous appeler, il ne va pas être content. Il nous regarde. Bisous, Éric. Pour le procès donc d'Éric Dupond-Moretti, vous avez vu qu'il y a toutes les chaînes infos. Il y a LCI, il y a BFM, il y a CNews. Alors que mon François Bayrou, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de son procès. Il a fait 35 secondes de reportage sur France 3 Pyrénées. Pauvre François. Alors François, je vous explique, il aurait utilisé des sous-sous de l'Europe pour payer des assistants parlementaires à lui.
Ben c'est vrai qu'on l'avait pas vu venir, le Al Capone centriste. C'est vrai qu'avec sa tête, tu te méfies pas, tu vois. C'est comme le gars dans Usual Suspect, tu sais, on s'est fait avoir, on a fait... Putain, c'était l'handicapé à la fin. Toujours, toujours se méfier des handicapés. Alors, s'il est condamné, François, au final, il y aura quand même le côté un petit peu ridicule de « j'ai triché, mais j'ai pas gagné », tu vois. C'est un peu comme Richard Virenque, tu te dopes à l'EPO et tu finis 25e. C'est un peu l'archouma, quand même. La députée insoumise Raquel Garrido a été sanctionnée par son parti pour avoir notamment critiqué Jean-Luc Mélenchon. Ouais, Raquel, elle est punite parce qu'elle a remis en question le leader suprême des insoumis. Elle a commis un crime de lèse Mélenchon, ça c'est très grave. La députée ne pourra plus s'exprimer au nom des insoumis pendant 4 mois, et évidemment au sein de LFI, ça râle un petit peu, parce que c'est la même sanction que pour Adrien Quatennens, qui avait juste frappé sa compagne. Hein. C'est le fils caché de Mike Tyson et de Désirless. C'est un mélange des deux, il met des beignes et la coupe de Désirless. Alors, en tout cas, Raquel ne va plus pouvoir parler pendant 4 mois. Après Zorro et Bernardo, ben on va avoir Jean-Luc et Garrido. Raquel va être comme ça, va dire... Jean-Luc, qu'est-ce qu'il y a, Garrido? Je comprends pas. Non, je comprends pas. Mais pourquoi tu montes ton majeur? T'as mal au doigt? Non, lui, il s'en fout du panari de Raquel Garrido. Il a une 4e élection à perdre, Jean-Luc. Macron qui a écrit aux dirigeants de tous les partis politiques pour les convier à une nouvelle réunion de réflexion le 17 novembre à Saint-Denis. Oui, oui, Macron, bah, il est comme nous, quoi. Il a le blues hivernal, il a envie de voir des gens, comme on est tous. Donc, bon, il a convoqué pour une raclette partie Éric Ciotti et Olivier Faure. Il faut être loin dans la solitude, quand même. Quand on vient à appeler Olivier Faure et Éric Ciotti, c'est désespéré, c'est désespéré. Alors... Olivier Faure est à François Mitterrand ce que Harlem Désir est à Martin Luther King. Situé. Alors, je taquine, mais Olivier Faure, à la base, c'est lui qui avait eu l'idée de la Grande Marche. Avant, il y a Yael Braun-Pivet et Gérard Larcher. Il avait proposé. Mais comme c'est Olivier Faure, tout le monde s'en branle. Donc, personne n'a rien à foutre. Alors, c'est con parce qu'Olivier Faure, ça se trouve, il a une solution au conflit israélo-palestinien. Peut-être il a un vaccin contre le cancer. Peut-être il fait les meilleures crêpes de France. Peut-être il sait où est Xavier Dupont de Ligonnès. Mais comme on l'écoute pas, ben on saura jamais. Voilà. Alors reviens nous voir avec du charisme. On termine avec le symbole de la République. Cette semaine a été dévoilé le nouveau visage de Marianne qui figurera sur les timbres à partir de lundi prochain. Oui. Marianne qui, cette année, comme tous les ans, reste la femme la plus léchée de France. C'est pas sexuel, c'est statistique. C'est pour enchaîner. C'est une stat. Alors, force est de reconnaître que vous... Et c'est derrière. Et c'est derrière, en plus. Je n'ai pas osé le préciser. Mais force est de reconnaître que pour beaucoup d'hommes célibataires isolés dans les campagnes, Alessandra le sait, elle a présenté... L'amour est dans le pré. C'est vrai que pour eux, ces hommes seuls, humecter un timbre et le coller sur une enveloppe, c'est ce qui se rapproche le plus d'un contact physique avec une femme. Et ça, à mon avis, c'est pour ça qu'ils passent pas au mail et qu'ils restent aux lettres. La fracture numérique, c'est aussi le moyen de continuer à avoir un semblant de vie érotique. Voilà. Alors, on se souvient comme modèle, on a eu qui? On a eu le bus de Marianne, hein, on a eu Michel Morgan, ouais. Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Laetitia Casta, très bientôt Léa Salamé, non. Sans nul doute. Alors, ce qui serait malin, vu que Marianne, c'est juste un buste, ce serait de prendre Philippe Croizon comme modèle. Comme ça, c'est la première fois qu'un buste représentera l'intégralité de la personne qui a posé. Moi, je propose, après, les gens font ce qu'ils veulent. À tout à l'heure. Pour le Qui l'actu, pour terminer avec nous. Mais je suis contente de revoir à présent Camille. Camille, on s'est connus il y a un an.
Et je vous suis depuis sur les réseaux, comme beaucoup de monde, puisque vous êtes, vous cartonnez sur les réseaux sociaux et sur Instagram, notamment avec votre compte Instagram devenu culte, qui s'appelle Je m'en bats le clito. 700 000 personnes qui vous suivent. Ça fait marrer rien que je le dise, Je m'en bats le clito. J'adore. Ouais. Vous avez vraiment révolutionné le sexe aujourd'hui pour la nouvelle génération, Camille. Hein. Ouais. Je suis fière. Bah ouais, vous pouvez. Je suis très très fière. Les femmes jouissent plus grâce à moi. Ouais. C'est pas mal. Le dire comme ça. Ils vous le disent. Elles me le disent, elles me l'écrivent. Mais c'est pas que pour les femmes le site. Non, c'est pas que pour les femmes, mais j'ai quand même. Les hommes osent pas trop s'abonner. Ils regardent, c'est un compte qui est public, donc il n'y a pas besoin de s'abonner. Les hommes regardent et surtout les hommes m'écrivent pour me poser plein de questions. Et je trouve ça très très touchant le fait de justement avoir pu créer une plateforme qui permet à d'autres personnes derrière leur écran de façon anonyme déjà de poser des questions, de se renseigner. Ils vous demandent quoi les hommes par exemple ? Comment faire jouer ? C'est toujours la même chose. Comment faire jouer leur femme ? Comment faire jouer leur copine ? Et je réponds toujours la même chose. Mais tu m'as jamais répondu. J'attendais. J'ai même mis une petite pause en disant ah, est-ce qu'il va jump ? C'est la grande angoisse des hommes et je réponds toujours la même chose. Demande-lui ce qu'elle aime. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup, étonnée, c'est à quel point, pour allez, 80% des hommes me répondent, en fait, je lui ai demandé, elle m'a répondu, je sais pas. Et c'est là que moi, j'arrive avec toutes ces punches que je placarde dans l'intimité. Il faut un peu imaginer que je suis cette petite souris qui vient se glisser dans vos culottes et dans ce qui se passe, et dans ce qui se passe dans vos vies sexuelles, pour justement apporter précision, apporter réalisme, apporter réalité, et peut-être, petit à petit, répondre à des questions sans même qu'on ait besoin de poser les... Camille, on va parler de cul. Attends, excuse-moi, avec les mots excuse-moi, il y avait juste... Il est inspiré. Je lisais ce qu'il y avait derrière vous, je rigolais, parce que j'ai squirté dans mon lit et j'ai compris l'utilité ouais. d'une alaise. Squirté, ouais. c'est mouiller beaucoup. Non, hein, pas non, du tout. C'est pisser. Absolument pas, c'est pisser. Non plus. Non, si, squirté, c'est mouiller beaucoup. Non, pas du tout. C'est quoi hein? Alors, squirté... Squirting in English. Squirting in English. Ce qu'on appelle en français la femme fontaine, qui est un terme qui est très très problématique, parce qu'en ouais. fait, il y a la femme rideau, la femme voiture, ouais. la femme trottoir. C'est pas mouiller beaucoup, ça. Non, absolument pas. Squirter, c'est en fait une technique qui consiste en fait à éjecter un liquide. Donc ça peut aller de quelques centilitres à, pour d'autres personnes, énormément, énormément de liquide. Et en fait, on va stimuler une zone qu'on appelle la zone G, qui n'est pas le point G, parce qu'encore une fois, c'est pas un bouton, donc on arrête de s'exciter dessus. Ah. C'est une zone G qui va en fait faire en sorte qu'on éjecte un liquide qu'on appelle donc le squirt. Oui, mais qui n'est pas du pipi. Qui n'est pas du pipi, non. qui sort par le même conduit, voilà. par l'urètre, et qui n'est pas non plus de la mouille. C'est quand même beaucoup de liquide. C'est quand même beaucoup de liquide, mais ce voilà. n'est pas de la mouille, parce que la mouille sort donc j'ai du pas vagin. Des mouilles. Mais le squirting... J'ai des mouilles. C'est beaucoup de mouilles. J'ai pas dit tout. Mais le squirting, en fait, ce qui est hyper intéressant avec le squirting... J'ai pas dit chouille. Je précise quand même, ce qui est hyper intéressant avec le squirting, c'est que, un, quand ça arrive, ça fait complexer énormément de femmes. Il y a plein de femmes qui en ont. Et deux, il y a plein de femmes qui s'en approchent très très proches. Et en fait, c'est une espèce de sensation comme si on avait envie d'uriner très très fort. Et on s'arrête. Et il y a des hommes que ça peut surprendre. Mais ça surprend tout le monde hein, quand ah, ça oui. arrive. Mais après, non, parce ils que les femmes qui savent qu'elles squirtent. Ah. Moi, j'ai 65 ans. Voilà, j'ai une vie sexuelle. À un moment, j'étais très célibataire très longtemps. À un moment, donc c'était un petit peu le festival du 14 juillet, le défilé. Voilà. Et j'ai rencontré une fois dans ma vie donc une squirteuse. Mais elle me l'avait pas dit. Et tout d'un coup, je vous assure, j'étais extrêmement... Elle savait qu'elle savait tout ça. Et moi, j'étais étonné à un moment, mais tel que j'ai cru que c'était moi qui avait une fuite, tu vois. Moi. Vous voyez. Mais c'est important de préciser. Et honnêtement, j'étais très surpris. Et après, j'ai dit, mais c'est toi ? Oui, oui, c'est moi. Et j'ai dit, ah, alors, peut-être tu aurais pu me le dire. Et là, la jeune femme qui... Ben, pour mettre une alaise. Ah, d'accord. Voilà, moi, j'aurais mis une alaise. Oui, d'accord. Ah, ben, parce que là, c'était matelas, sommier et tout. Non, non, ça flingue le drap. Le matelas. Ça vient d'où, cette sécrétion ? Alors, moi, je vais vous expliquer. Ça vient de la vessie. Et en fait, c'est un liquide qui sort, mais qui n'est quand même pas du pipi. Donc, en fait, c'est le liquide avant que ça devienne du pipi. Et en fait, en stimulant cette zone, qui est en fait la zone de convergence entre le vagin, la vessie. Il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles non, à ça. Non, pas du tout. En fait, non, pareil, ça aussi, c'est une grande légende. C'est une grande légende. Non, mais toutes les femmes. Non, mais parce que toute la scène est exceptionnelle. Non, mais parce que. Au début, t'as Christophe qui dit en fait, je connais. Elle lui dit non, tu connais rien. Lâche la perte. Gérard qui est là qui fait c'est vachement bien tout ça, en fait. Mais toute la scène est géniale. Allez, elle est morte de rire. Non mais après, on est en fin d'émission, il est un peu tard là déjà pour moi, et là je lâche la rampe. Ce que je trouve dingue, c'est Christophe qui dit, moi j'ai rencontré une squirteuse, et vous avez la plus grande reporter de guerre qui fait, ah oui.
Ah, je suis très intéressée. Hein. Très oui, moi ça m'intéresse. Parler du sexuel de Christophe. Non. Parler technique, parler technique. J'aurais pas osé. J'aurais beaucoup appris l'anglais. À une époque, on avait, enfin, je sais pas, ça va peut-être parler à certains, on avait Doc et Difool. Moi, je me rappelle, quand j'étais vraiment jeune, ça m'aidait parce qu'on n'avait pas forcément des conversations ouvertes avec nos parents. Peut-être que ça se démocratise un peu aujourd'hui. Mais je suis un Difool 2.0. Hein. Ouais, bah oui, mais ça m'étonne pas. Mais c'est dur d'en parler. On va parler du sexe, on va parler aussi de votre livre, parce que vous êtes là pour ça, les mots du cul. Vous allez nous apprendre les nouveaux mots du cul. Toi, Paul, juste avant, le doigt. Non, il a inspiré, lui. Non, pas du tout, c'est Florent qui n'ose pas poser la question. Est-ce qu'on peut taper un dos crôlé dans tout ce liquide ou pas? Là, il est pas bien, là. Non, il est fou. Là, il est pas bien, là. Il est fou, cet homme. Il est fou. Mais il est d'abord, fou. C'est complètement fou. Non, mais il pense vraiment ça, en fait. Il se... Il pense, ouais, ouais. Ça vient dans sa tête, ça, bien sûr. Il n'a pas parlé d'imagination dans le Pas-de-Calais. Et il se dit, celle-là, elle est bonne, je vais la sortir. Et là, je dis stop, pardon. Je vais reprendre le cours dans cette interview. Je voulais juste dire que votre livre est intéressant. Ce que vous dites sur le sexe est très intéressant. Mais vous avez aussi un parcours très intéressant que je ne connaissais pas et qui m'a beaucoup intéressée. Vous êtes née à Niamey. Vous avez. Il faut juste dire, cette jeune femme, à 26 ans, vous êtes déjà entrepreneur, chroniqueuse, auteur, vous gérez tout ça et vous avez plusieurs vies derrière. Vous vous êtes née à Niamey, au Niger, en 1996. Trois jours après votre naissance, vos parents biologiques vous déposent à l'orphelinat. Ouais. Je ne sais pas comment ni pourquoi je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital dans lequel je ne suis pas née. Et quelques jours après, je me suis retrouvée dans un orphelinat dans lequel, il faut savoir, j'étais la seule fille parmi des dizaines de garçons. Et à ce moment-là, mes parents, donc famille franco-libanaise, arrivent au Niger avec la volonté d'adopter. Ils commencent toutes les démarches. Et ils disent, on ne va pas choisir parce qu'en fait, on ne fait pas nos courses. Mais nous, ça nous ferait plaisir, vu que vous nous posez la question, d'avoir une fille. Et on leur a répondu très sincèrement, avec tout l'amour et toute l'humilité du monde, en fait, il n'y en a qu'une. Et donc, les démarches sont allées très, très vite. À 2 mois, même pas, j'étais chez nous. On a passé 5 ans au Niger, 4 ans en France, 5 ans à Madrid et 4 ans à Madagascar. Tout ça pour le travail de ma maman. Pour le travail de votre maman, qui est diplomate, je vais y venir, mais vous dites... Être adoptée, ça te fucked up la tête. Ouais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, moi, je suis née avec un trauma d'abandon qui était là, qui était très concret. J'ai passé quand même les 2 premiers mois de ma vie. Il faut quand même s'imaginer qu'à ce moment-là, un enfant, un nouveau-né, on a besoin de la chaleur. On a besoin de savoir qu'en fait, on a besoin que concrètement, il y a un corps humain, et souvent, c'est le corps de la mère, qui nous rassure sur le fait qu'en fait, on ne va pas mourir. Sur le fait que, non, je suis encore là. Je t'accompagne, c'est de la sécurité. Moi, je n'ai pas eu ça. Moi, j'ai passé les 60 premiers jours de ma vie à me demander si j'allais mourir. Il n'y avait personne véritablement pour me rassurer. Ça fucked up le cerveau absolument, parce que ça crée des traumas d'abandon qui sont bien évidemment très clairs, qu'il faut soigner, dont on se soigne. C'est ça qui est aussi très important. On en sort, oui. Ouais, on en sort avec la thérapie, avec de l'accompagnement, avec, pour certaines personnes, besoin de réponse. Moi, je sais que je n'ai pas eu besoin de réponse. Et on me pose souvent la question, c'est est-ce que tu connais tes parents? Est-ce que tu as envie de... Et je réponds toujours la même chose. En fait, moi, je les connais, mes parents. C'est les personnes qui m'ont donné de l'amour quand j'en avais pas. Mmh. Donc, je les connais. Et effectivement, vous avez eu une vie totalement nomade, c'est-à-dire au gré des affectations de votre mère qui était diplomate. C'est votre père qui faisait le job, qui ouais, vous a élevé, papa au foyer, qui faisait les courses, qui était papa au foyer. Absolument. Et qui vous a donné le goût de la cuisine. Ouais. Parce qu'à l'origine, Camille, ce que vous vouliez être, c'est la première chef noire étoilée du Michelin. Et vous faites d'ailleurs l'école Ferrandi et vous allez bosser 4 ans dans la cuisine. Exactement. Moi, je rêvais de faire la cuisine depuis que j'ai à peu près 5 ans. La première fois que j'ai dit que je voulais être chef, j'en avais 8. Et en demandant à ma mère, la première fois que j'ai dit que je voulais être la première chef noire française d'éthologie de Michelin, j'avais 12 ans. Et la deuxième, c'était politique, parce que je voulais être ministre de l'égalité, qui était un poste qui n'existait pas. Ça, vous vouliez être soit ministre, soit grande chef étoilée au Michelin. Moi, j'avais un vrai sujet avec le pouvoir. Ouais, je vous le confirme. Oui, oui, oui. Je vous le confirme. J'ai un peu bossé la question. Je voulais être le modèle qui m'avait manqué, m'imposer parmi les meilleurs de ma génération. Vous vouliez être le modèle noir qui vous avait manqué enfant, en fait. En fait, je voulais être le modèle tout court. C'est-à-dire que on s'en rend compte à peu près plus tard, c'est-à-dire que moi je m'en suis rendu compte au moment où j'ai vraiment dévoilé mon identité, parce qu'à la base j'étais anonyme, parce que quand j'ai lancé Je m'en bats avec Lito. Je fais partie de ces femmes noires, ces femmes racisées qui ont grandi avec des modèles qui ne me ressemblaient pas. C'est-à-dire que dans les débats à la télé, dans les musées, les histoires qu'on me lisait, en fait, c'était jamais moi. Et finalement, on a beau dire ce qu'on veut, mais c'est d'une grande violence. Et on parle de l'importance de l'incarnation, de l'importance de la représentation. Et moi, je pense que ma volonté d'incarner autant tout ce que je fais vient aussi de là. C'est-à-dire que j'ai quand même grandi avec cette croyance qui consistait à me dire, bah, en fait, il y a des métiers pour les noirs, il y a des métiers pour les autres, il y a des terrains, il y a des secteurs dans lesquels tu auras le droit d'aller. Vous avez décidé de faire péter ça. À fort. Mmh. Je m'en bats le clito. La cuisine, vous accrochez, mais pas tellement. Je m'en bats le clito. À l'origine, vous avez l'idée, vous êtes dans une soirée avec vos potes, des garçons,
Et là, vous les entendez parler du plaisir féminin, du sexe féminin, etc. Et ils sont sûrs d'eux, et ils assènent les choses, et vous les écoutez en disant, mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils racontent n'importe quoi. Rien. Absolument. Je suis en lendemain de soirée en train de décuver un samedi, et sur le canapé, j'ai mes trois potes mecs qui parlent de sexe, et de surtout, ils s'échangent des conseils pendant à peu près 3 heures sur comment faire jouer une femme. Et en fait, dans ce grand tamas de questions, jamais n'arrive la réponse. Lui demander encore une fois ce qu'elle aime, parler avec elle, qu'elle en sache plus. On était vraiment sur tout ce qu'on peut entendre. Mais non, mais attends, frère, c'est hyper simple. Tu fais comme ci, tu fais comme ça. Là, la meuf, elle a 14 orgasmes. Je te jure, c'est hyper simple. Là, j'avais envie de le rappeler. En fait, même moi, en un marathon de masturbation pour un week-end, j'ai pas 14 orgasmes. Donc vraiment, vous enflammez pas. Et donc, très vite, je me retrouve à dire OK, il faut que je leur trouve des informations. Il me faut des sources pour venir, en fait, contredire ce qu'ils racontent. Et j'en trouve trois. Il y a soit du contenu pornographique, mais dans lequel je me reconnais absolument pas, des magazines féminins, mais on est encore à l'époque où ils nous expliquent qu'on est soit vaginale, soit clitoridienne. Et enfin, et Christophe de Chavannes, mais j'ai jamais pris en considération cette source, soit des sources. J'aurais beaucoup plus envie de leur faire, au cours. Soit des sources scientifiques, mais qui sont, à mon sens, à ce moment-là, très peu abordables pour eux. Et donc, j'ouvre Instagram et je suis pleine de colère. Et moi, j'ai une colère et j'ai une indignation qui est très créatrice. Et j'écris beaucoup et je crée beaucoup à ce moment-là. Et je lance ce compte Instagram qui connaît un buzz absolu. Je touche du bois. C'est un carton. Et il y a aussi un message féministe et un message aux femmes qui est décomplexé. Et pour ça... Et osé. Et pour ça, vous vous mettez en scène, vous mettez votre corps en scène et vous nous montrez sur les réseaux ce que c'est un vrai corps d'une vraie femme. Je vous présente un corps humain. Voilà, donc en fait, la petite avec la piscine, comme ça, ouais, avec ce même corps-là, ce corps-là, et ça s'appelle un corps humain. Donc, rien de fou. Voilà, c'est pas honteux, c'est pas dégueulasse, il n'y a pas besoin de le cacher. Ça s'appelle un ventre pas plat, des bourrelets de la Sunbite. Nous allons déjouer la culture quand on aime. La cellulite. Elle a du cran quand même. Oui, mais surtout, encore une fois, ça décomplexe tellement de nanas en face. Ça décomplexe. Je crois que j'ai reçu à peu près 3000 messages privés. Ben après oui, après une vidéo comme celle-ci. J'ai d'autres photos où je montre à quoi ressemble mon ventre quand j'ai mes règles parce que je suis atteinte d'endométriose. Il y a d'autres photos où... En fait, l'idée, c'était quand même d'arriver sur le réseau social le plus fake et d'y créer le contenu le plus sincère. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'était un vrai challenge. Être libre et décomplexé, c'est aussi le message de ce livre. Les mots du cul, manifeste joyeux des sexualités. Pourquoi faut-il mettre des mots, nommer les choses? Et est-ce qu'on les nomme mal? Alors, je m'en bats les couilles, mais il y en a plein d'autres des expressions où vous estimez qu'on nomme mal les choses. Ouais. Alors justement, j'ai des exemples, j'ai des questions. En 30 secondes, vous me dites ce que c'est les froutes. Oh, les froutes, c'est les pets vaginaux, la base. Bah oui. C'est des appels d'air pendant les rapports sexuels où très vite, on s'empresse de dire « Non, non, c'est pas un pet, t'as vu, ça sent rien. » Ça, les froutes. Faire du sale, ça veut dire quoi? Ça veut dire kiffer, ça veut dire assumer que le sexe n'est pas hygiéniste. Ça veut dire kiffer, prendre son pied, être libre et se dire « Ouais, j'ai envie de faire du sale, j'assume et ça ne veut rien dire de moi à part que je kiffe ça. » Le syndrome de la bite invisible, c'est quoi? Le syndrome de la bite invisible, après un rapport sexuel un peu intense ou plusieurs rapports à répétition, on se retrouve pendant quelques heures, voire quelques jours, avec l'impression que la bite a été moulée à l'intérieur de notre vagin. Alessandra. Je connaissais pas celui-là. Ouais. Je connaissais pas celui-là. Ouais, ouais, ouais. Elle sait de quoi vous parlez. Elle sait de quoi elle parle. You know, I know you know. T'as déjà eu ça toi? Non mais... Je sais pas. C'est que en fait, parler de ça avec Kev, comme on est assez complices, il suffit que je regarde dessus. Il est paniqué. Mais non, au contraire, moi ça m'intéresse grave. Déjà, je suis très impressionné par cette jeune femme. Je trouve ça génial qu'on puisse un peu libérer la parole sexuelle chez les femmes et qu'on puisse. Parce que moi, avant de faire ce métier, j'ai été longtemps le meilleur ami. Chez les meufs, il y a le meilleur pote. Tu connais le meilleur pote. Connais. Et là, non, c'est vrai, donc moi, j'étais dans les audios. Facile. Et les audios, c'est vrai que parfois les filles, elles disent, bah, tu vois, et après, il m'a. Enfin, voilà. Un peu. Et c'est vrai que ça manque de mots. Et moi, j'étais en mode, vas-y, t'as quoi? Alors, je suis le meilleur pote, il se passe rien, dis-moi des mots, tu vois. Et il se passait, il n'y avait pas de mots. C'est vrai qu'à chaque fois, c'est pas de mots. Donc je trouve déjà que l'initiative est extraordinaire. Et Alès et moi, on se fait souvent des vannes de cul. Donc forcément, là, elle me voit regarder. Gérard, mais c'est parce qu'il me raconte cette histoire et j'aime bien. Mais je connaissais pas. Il m'est arrivé d'aller me baigner dans une eau très froide et j'ai eu le syndrome de la vitamine. Je blague. N'empêche que tu vois que ça fait du bien de parler de cul. Mais oui, c'est vrai, c'est drôle. En cas de Chana.
Oh, en Kachana, Aya, déjà je t'aime. Aya Nakamura. En quoi? En Kachana. Aya Nakamura, vous la connaissez pas la chanson? En Kachana, baby. Non, sorry. En fait, en Kachana, ça veut dire en levrette. Mais ça va. En levrette. En Kachana, c'est? Ça veut dire en levrette. En levrette. Doggy style. Donc, non, mais moi, je connaissais pas du tout. Je connais pas la levrette. Donc, j'ai envie de te prendre. Alexandre. Si, si. Je te prends le lien de Jana, je connais pas. On est juste en parler. J'ai mon actionnaire de Jana. Angus, pareil, enfin, voilà. Alors, est-ce que c'est un homme qui doit prononcer ça? J'ai envie de te prendre en Kachana. C'est toute personne qui a envie de faire du Kachana. De faire du Kachana. De faire du Kachana. Donc à un moment, tu peux dire à ta partenaire. Aya, cette expression. Je sais pas du tout. C'est bah on sait pas trop. Hein, mais pourquoi pas la levrette Non, en fait, on peut dire la levrette. C'est juste qu'en Kachana, ça a été démocratisé. Ça fait un peu Michel Drucker, la levrette. Ça a été démocratisé dans son tube, Jaja. Ça vient de cette chanson-là. C'est joli, Kachana. C'est ça vient de le levrette. Oui, c'est plus joli. C'est plus poétique. Voilà. Le edging. Oh, le edging, j'adore. Le edging, c'est un jeu qui consiste à s'approcher le plus possible de l'orgasme et décider qu'on fait un stop, qu'on laisse redescendre la vague du plaisir et qu'on y retourne. Ça peut durer des heures. Est-ce qu'on finit par avoir un... C'est exactement ça. C'est exactement ça, Alexandra. Non, mais c'est drôle. Ce qui fait qu'on finit par avoir en général un orgasme qui est absolument explosif et ça nous éloigne de toute notion de performance et de sexe qui doit être absolument explosif. Il faut expliquer aux femmes que le edging, c'est quelque chose qui les amène à quelque chose de mieux parce que sinon, elle dit, pourquoi tu me fais ça, tu me frustres. Ah non, il faut expliquer aux hommes que en fait le edging c'est quelque chose de possible et qui fait aussi du bien et qu'on n'est pas et que même quand on a envie d'éjaculer. Ah mais moi vous parlez inconvaincu. Ah mais non. Mais sublime. Attends, en gros c'est tu prends le livre et tu expérimentes chaque étape. C'est un dictionnaire. D'abord, c'est pas elle, le Kamasutra non plus. Voilà, elle t'explique la zone G, que le point G n'existe pas, mais que c'est une jaune. C'est une jaune, ouais. C'est une quoi zone. Une zone. Une zone. Mais toutes les. En fait, vous mettez des mots. Et ça, je pense que c'est vraiment mais nécessaire. C'était urgent de mettre des mots. C'était nécessaire. En plus, vous le faites. C'est très agréable à lire parce que c'est facile. Il y a des dessins. Tu vois, puis il y a des phrases qui sont simples et que tu comprends vite. Vas-y. Ça tape dans le fond. J'étais sûre que ça. Oh là 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 là. Tu vois tout de suite, la définition. L'image. La définition, c'est j'attire. Toi, attention, lorsqu'on tape dans le fond, c'est le fond du vagin qui correspond au col de l'utérus. Voilà. Tu tapes dans le fond, tu tapes dans le fond. Personnellement, je l'ai entendu très souvent. Allez, pour terminer, et on termine avec ça, écoutez bien, Kev, vous qui avez besoin de savoir, c'est quoi la différence entre jouir et orgasmer? Alors, jouir, c'est. Il faut reprendre des expressions de la langue française au quotidien. Quand on dit jouir de la vie, ça veut dire tout simplement. Prendre son pied, kiffer, ressentir du plaisir. Et en fait, il faut imaginer exactement comme le schéma là, le plaisir comme une espèce de courbe. Donc en fait, on est dans la jouissance, et à un moment donné, on arrive à l'orgasme. Et orgasmer, c'est exactement avoir un orgasme, c'est le paroxysme du plaisir. C'est en fait des contractions du vagin et du périnée de façon répétée. On peut avoir le souffle coupé, on peut être rouge aussi parfois. Mais ce que je trouvais très très important, c'est de mettre un verbe. C'est-à-dire que souvent, on demande est-ce que tu as joui. Mais est-ce que tu as joui, ça ne veut pas dire est-ce que tu as eu un orgasme, ça veut dire est-ce que finalement, t'as ressenti du plaisir. Est-ce que t'as orgasmé, Christophe? Je voulais dire que j'apprenais beaucoup de mots en ce moment. J'apprenais le mot. Oui, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai, j'en suis ravie. Non, mais en ce moment, mais aussi moment. Avec ce livre. D'accord. Valétudinaire, par exemple, si quelqu'un sait ce que veut dire valétudinaire. Oui. Une santé fragile. Voilà, une santé fragile. On dit d'un homme souvent, il est un peu valétudinaire. On peut le dire d'une femme aussi. Je sais de quoi je parle. Oui, c'est un peu. Vous trouvez le livre de Christophe et Gérard, Les moules des poissons. Valétudinaire, c'est un très joli mot. C'est clair. Un très joli mot. Et j'en ai appris un autre. Avec justement le livre de Camille, qui est l'épectase. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, qui doit être absolument royal. C'est-à-dire que c'est mourir en orgasmant. Exactement. C'est le fait de mourir. Tu as un orgasme tellement fort que. Tu décèdes. Le cardinal Danielo, hein, notamment, paf, il est parti comme ça. Il y a un homme politique fort connu dont le nom m'échappe qui va me revenir. C'était le président de Deschanel. Deschanel. Donc, paf! Paf! Bah moi je dis ça, bravo. Je veux bien. C'est la petite épectase. C'est la petite épectase. Ils sont forts en voile. C'est plein de mots que je m'apprends. Les mots du cri, achetez-le, ça vous amusera. Ça nous fait parfois un peu rougir. Et les mots du cri, parce que vous dites les choses. Manifeste joyeux de sexualité aux éditions Le Robert. Et pour terminer, on retrouve Philippe Cavrivière. Il n'est pas valétudinaire. Vous ne
c'est soit la guerre, soit le Kama Sutra, c'est n'importe voilà, quoi. C'est comme vous ça. Avez décidé de faire. De vous planter. Je préfère. Voilà. Après la tempête Domingo, ouais, qui a frappé la France, mon cher Philippe, de nombreux foyers ont été privés d'électricité. Domingo, c'est quand même ballot d'être privé d'électricité par une tempête qui a un nom d'électricien. Souvent, ça fait. Monsieur Domingo, il y a le compteur qui vient de péter. Je pense qu'il y a un problème d'étanchéité sur la terrasse. Il y a beaucoup de Domingos électriciens. C'est raciste? Ok, d'accord, j'arrête. C'est très à la mode, le racisme. Hein. Mais on a évidemment une pensée sérieuse pour les sinistrés et on rend hommage à cet agent d'Edenis qui a donné sa vie pour rétablir le courant. Oui, ça c'est pour qu'on en fasse quoi? De l'électricité, bah, les gens, ils ont rallumé la télé, ils ont maté Affaires conclues et Guingamp Auxerre. Donc je ne sais pas si ça valait le coup, finalement. Alors on a eu des inondations dans le Nord. Ils ont eu 2 jours, ils se sont pris 6 mois de pluie. Hein? Atroce. Atroce. Ah oui, ah, je croyais que c'était une ville. Je me suis. Non, à Douai. D'accord. Non, mais les ch'tis, atroce, à Douai, partout, ils sont des optimistes. Moi, j'ai vu un témoignage, il y avait un jeune qui disait. Bon, j'aurais pas besoin d'emmener la Clio à l'effort bleu, là. J'espère que ça va pas abîmer les jantes, là, avec... j'ai mis le béquet à l'arrière, l'aileron de Formule 1, là. Tant que ça m'enlève pas les flammes pour le concours de tuning. Vous n'allez pas assez au concours de tuning. Il n'y a pas que le musée d'Orsay, Léa. Non, il faut arrêter. Un dimanche, je vous emmènerai à concours de tuning. Vous nous parlez des coupures d'électricité. Un témoignage en particulier a retenu votre attention. Oui, j'écoutais France Info, et il y avait un petit papier, c'est authentique. Très sympa, qui disait « Heureusement, on a un poêle à bois, mais vu que la ventilation est électrique, il marche pas. » Voilà. Donc, c'est quand même couillon, parce que quel est l'intérêt d'un poêle à bois qui ne fonctionne pas sans électricité? Totalement idiot. Bon, alors j'espère que c'est pas la même entreprise, c'est pas M. Domingos qui a fait toute l'installation du petit vieux, parce qu'il va dire « On a des panneaux solaires sur le toit !» Mais il fonctionne à l'essence, donc bon, une fois par semaine, je monte sur le toit et je fais le plein. Bon, avant c'était ma femme, mais elle est tombée du toit, depuis elle est en fauteuil, donc un fauteuil électrique bien sûr, mais qui marche avec une éolienne. Donc quand il n'y a pas de vent, elle avance pas, quand il y a du vent, elle avance trop, voilà. On a eu du vent à 150 km/h, elle est partie à Barcelone, là. C'était la journée nationale contre le harcèlement scolaire. Dont Florent a assez peu souffert. Curieusement, il n'y a pas eu trop de harcèlement. Au-dessus d'un mètre 90, on est peinard, parce que le harceleur est un lâche. Le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, a d'ailleurs avoué lui-même avoir été victime de harcèlement. Pourquoi le folklore alsacien? Parce qu'il était à l'école alsacienne. Il y a un lien. Non. Même si ce n'est pas juste le plaisir d'écouter... l'excellent folklore alsacien. Alors, le harcèlement scolaire est un drame. Gabriel Attal a été harcelé à l'école alsacienne. C'est pas une école où tout le monde parle comme ça. Hop là, d'eau. Non, voilà. C'est pas ça. Non, voilà, c'est une école où dès 5 ans, les enfants sont plus riches que les professeurs. Voilà, c'est ça l'école alsacienne. Petite parenthèse, tiens, dans les grands ministres de l'éducation, qui y a eu? Jack Lang. Bravo, Jack Lang, excellent. Mais François Fillon. Bérou. Et François Bayrou, excellent, Gérard. Donc, quand tu es ministre de l'Éducation, soit après, tu termines devant les tribunaux, soit dans la Sarthe, ou soit à Pau, ou les deux, à Pau et devant les tribunaux. Ou alors, comme Jack Lang, tu deviens chinois. Et ça... Alors, au début, non, Jack Lang, qui est devenu chinois depuis une quinzaine d'années, je me disais, tiens, il plisse parce qu'il regarde les œuvres d'art. Tu vois, souvent quand tu regardes un tableau, tu plisses. Et en fait, je me suis dit, non, il est encore en train de plisser. Et il plisse même quand il dort. Enfin, tant qu'il se plisse pas dessus, moi, ça me va. On reste dans l'éducation des enseignants et des scientifiques qui s'inquiètent du niveau alarmant des élèves en maths. 8 fois 7 42. 56. Voilà. Ah, bravo, bah, on a tous ramé quand même sur 8 x 7. C'est 56. Alarmant, le niveau, oui, d'après une récente étude, c'est 56. Alors, les maths, c'est cette discipline qui permet de réussir ses études, de devenir ingénieur, chercheur
et de rester puceau jusqu'à 40 ans. Eh bien, Léa, les jeunes, curieusement, les jeunes Français ne kiffent plus les maths. Oui, curieusement. C'est étrange. Alors, pourquoi les jeunes rêvent-ils plus d'être Aurel San, Kev Adams ou Kylian Mbappé plutôt que Cédric Villani? Je n'ai pas de réponse. Je ne comprends plus les jeunes. On ne sait pas. Parlons santé pour terminer. Selon une étude menée par des chercheurs suisses, un usage fréquent du téléphone portable serait associé à une baisse de la concentration des spermatozoïdes. Oui. C'est sérieux. Plus on utiliserait le téléphone, moins on serait fertile. On est mal. C'est-à-dire qu'il y en a deux, trois qui sont mal. En fait, l'iPhone est le nouveau stérilet. Alors déjà, Camille, je parle sous le contrôle de Camille, une éjaculation, qu'est-ce que c'est? Les vacances d'été sont déjà loin, certains d'entre vous ont oublié. Eh bien, une éjaculation, c'est comme une sortie d'école à 16h30. Tout le monde arrive en même temps. Bon, et t'espères que dans l'eau, t'auras ton gamin. Voilà, le tien. Faut retrouver le bon. Alors, attention, je précise, quand je parle d'une baisse de concentration des spermatozoïdes, je dis qu'ils sont moins nombreux. Ça ne veut pas dire que les spermatozoïdes sont moins attentifs. Il n'y a pas deux spermatozoïdes qui discutent et disent bah, « Qu'est-ce que tu fous, Stéphane ?»« Bah, écoute, tu vois bien, Christian, que j'essaie de rentrer dans un ovule, mais que je n'y arrive pas. » Et là, Christian de répondre « Écoute, Stéphane, c'est normal, c'est pas un ovule, c'est un œil. » Eh bien, écoute, autant pour moi. Et là, Stéphane est un spermatozoïde bien élevé. Il dit autant pour moi, madame, et désolé pour la conjonctivite. Voilà. Je voulais juste te dire, parce qu'il est trop pudique et il a un tel talent, et j'étais très fière parce qu'il a saupoudré de son génie quelques vannes dans quand mon ça arrive, scène. C'est, voilà. C'est vrai, il a écrit quelques vannes de... Ouais, ouais, et non, il l'a fait beaucoup de plaisir, avec beaucoup voilà, de bienveillance. Je suis très fière de l'avoir. Il faut le dire aussi, parce que c'est pas le cas de tous les humoristes, il écrit pour de nombreux humoristes de talent que c'est tout vrai. Le monde adore en France depuis des années. Moi, avant que ce soit vraiment la vedette et qu'il nous fasse pleurer de rire tous les samedis dans votre émission, j'avais entendu son nom, s'était rencontré plusieurs fois parce que il est un des auteurs vedettes. Et c'est important aussi, puisque faire de l'humour, c'est pas facile, mais l'écrire, c'est encore plus dur. Donc bravo pour ça, vraiment. Et on le voit ce dimanche. C'est à quelle heure? 18h. 17h45, avec Isabelle Nanty. Avec Alex Vizorek. On va organiser avec Alex Vizorek. Nanty. Merci à tous d'avoir participé à cette soirée. Après la manif. Merci beaucoup, Agnès Varamian. On vous laisse repartir sur le terrain. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Kev Adams et Gérard Jugnot, comme par magie de Christophe Baraké, je pense à le mercredi. Alessandra Sublet, tous les disques n'auront pas la saveur du succès ce lundi au Théâtre Antoine à Paris, et puis ensuite, à partir de vendredi prochain, à la scène libre à Paris. Toujours prenez place. Camille au Mont-Carmel. Le mot du cul, on a appris des choses ce soir, manifeste joyeux, des sexualités. Et puis le Cirque du Soleil qui nous a fait une prestation magnifique, curieuse, cabinet de curiosité, à partir de jeudi prochain, à Château dans les Yvelines, sur l'île des impressionnistes. Merci, mon Christophe. Mais avec plaisir. Et on sera derrière vous, évidemment, au JO. J'ai oublié de le remercier. Ah bah quand même. Bah oui, quand même, parce que c'est quand même. Quand même. C'est la fierté, c'est vous. Hein. Bah oui, pas que. Et on sera avec vous. Et merde. Et Christophe. Et même si vous êtes valétudinaire, ne vous en faites pas, allez dans une pharmacie, vous criez sortez couvert et vous risquez fort de partir avec une boîte de préservatifs gratuit, et comme ça vous pouvez faire les fous et casser les meubles. Et après sortez ce couvert. Soir on a besoin de cette dimension, parce qu'on a beaucoup parlé. Et surtout pour pas aller partir dans une épectase. Paul, vous aviez un mot à dire. Oui, exceptionnellement, j'ai besoin. Il a dit quelque chose d'important, il a dit faut taper dans le fond. C'est lui. Pardon, excuse-moi. Non, pas du tout, j'ai besoin de 5 secondes exceptionnellement parce que Philippe a parlé du harcèlement, on en a beaucoup parlé cette semaine, c'est super important. Vous savez que je suis un peu proche du monde du foot qui s'est mobilisé cette semaine. Et les copains Didier Drogba, Presnel Kimpembe et Alex Lacazette m'ont demandé de mettre un carton rouge au harcèlement. Et il faut appeler le 3018 si vous en êtes victime. Les enfants sont très fans de foot, ils suivent ces joueurs-là, donc ils m'ont demandé, fais ça à la télé. 3018, non, harcèlement, carton rouge, harcèlement, si merci vous beaucoup. Êtes victime ou si vous avez entendu. Pourquoi quelle époque? À des oreilles sales.
club, chat, remets une couche. Numéro 4 des Jeux Roses, la mémoire est bonne, c'est moi qui ai ouvert la torrente. 5, 3, 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